mad man, they go mad for me. Who the fuck when they gassed you up like you're good enough to be clashing me? Please stop harassing me. Charge me up and put gas in me. Them little fish wanna try ting. Oh man, the audacity. I got blood in my inbox telling me eyes. Living on the edge to the end of our lives. Wolf in the sheepskin telling me lies. Sometimes I love. Salut l'équipe, on est au mois de septembre et le mois de septembre, c'est la sortie de NBA 2K. On en a l'habitude maintenant, Thomas. Bienvenue, messieurs, dames, sur le stream pour cette émission spéciale où l'on va découvrir enfin, ça fait longtemps qu'on l'attendait, le nouvel opus d'NBA 2K21 avec moi dans cette mission, mon acolyte de toujours, Thomas. Comment vas-tu? Une mission sous le meilleur des regards, juste derrière nous, Kobe, évidemment, la Mamba Edition. Et juste là, derrière nous, pour veiller sur nous, j'ai envie de te dire, Erwan, on va passer 2 heures ensemble. Et ça va être très cool, à la découverte du nouvel opus de 2K, effectivement. Ouais, toujours très attendu en ce mois de septembre. Et puis, il va y avoir dans cette soirée plein de surprises. Alors, évidemment, on va découvrir le match à travers plusieurs confrontations. On vous dira les différents intervenants qu'il va y avoir durant cette soirée. Mais il y aura un petit peu, en gros, quoi, quelques matchs, des quiz, et puis des quiz encore et pas mal des de concours, surprises. Des jeux à gagner, ça se passera sur le stream, sur le Twitter de le stream, avec des jeux, une PS4 Pro à gagner. Donc n'hésitez pas tout de suite à aller regarder sur Twitter si les concours sont déjà en ligne. Et puis de toute manière, on fera des rappels tout au long de la soirée. Alors c'est le moment de découvrir avec qui nous allons passer la soirée. Dis-moi tout parce que je suis pas au courant. Et là, quel beau casting. Alors si t'es pas au courant, très bien, j'adore tout le temps te filer des petites infos. Alors pas très loin de nous, mais pas avec nous. On est avec. Alors par qui je commence? Je sais pas la régie s'il y a un ordre. On va commencer avec Bruce et Braque. Que Bruce. Alors, on va commencer avec Bruce. Alors, Bruce, habitué de FIFA, mais on sait que tu suis la NBA et que la sortie de NBA 2K, tu attends ça avec impatience chaque fois. Je suis la NBA. Déjà, salut à tous. Salut les gars. C'est un gros kiff d'être avec vous ce soir. Bah, forcément, j'aime beaucoup le sport. Bon, je suis un petit peu plus foot, ça c'est sûr, mais je suis pas mal aussi la NBA. Et NBA 2K, bah, forcément, c'est un jeu de sport qui est juste incroyable. Donc, c'est toujours avec plaisir quand il y a moyen d'y jouer et puis de jouer avec du monde. Hier soir, tu as commencé en plus à jouer, j'ai cru voir. Ouais, j'avais testé déjà sur la démo avec Braque. On a remis ça un petit peu hier, donc sur la version finale. Ouais, il y a du boulot, on va pas se mentir, il y a quand même du boulot, mais je me dis que contre Braque, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, quoi. Bruce, la légende dit que tu dunks encore. Est-ce que c'est vrai? Bah, évidemment, il fut un temps. On m'a proposé de jouer au basket. Voilà, on voulait me recruter, mais j'ai préféré essayer le foot. Mais c'est vrai que vu ma taille, c'est un petit peu dommage que j'avais vraiment quelque chose à faire, je pense, dans ce sport. Ok, bon, on te retrouvera donc pour ton premier match face à, forcément, si on dit Bruce, il y a Braque qui n'est pas très loin. Et Braque, salut, bonsoir, comment ça va, mon gars? Salut, mon Erwan. Salut, bah écoute, ça va très très bien. Vraiment content d'être avec vous. C'est toujours un plaisir de venir discuter, de venir jouer, de venir un peu s'embrouiller avec toi. Toi et Tom et avec Bruce qui est jamais bien loin, donc c'est un plaisir d'être là les gars. Ce soir on ne parlera pas de Messi. Ah j'espère les gars. On ne lance pas le sujet sur Bruce. Hein. J'espère, ne faites surtout pas une comparaison, me dites pas genre ouais Michael Jordan c'est un petit peu le Messi du basket. Ça n'arrivera pas, je te rassure, la comparaison n'a rien à voir. Moi j'ai envie de m'amuser ce soir. Okay. C'est pas noté dans mes fiches, hein, tu peux voir, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de notes dessus. Donc tu vas commencer sur ton premier match face à Bruce donc. Ouais. Ça a donné quoi vos premières confrontations hier un petit peu? Bon bah écoute, nos premières confrontations, déjà on s'était affronté une première fois, Bruce l'avait quand même emporté parce que ouais, c'est un 4 fois champion du monde, hein, donc c'est toujours dur de jouer avec lui. Hier, j'étais avec un certain Rafsou, vous devez bien le connaître, très très bon joueur lui aussi, et j'étais en double et il m'a bien conseillé, il m'a bien aidé. Par contre, c'est un monstre, c'est juste une brute, et du coup, bah, c'est vrai qu'on a gagné un petit peu plus de matchs, mais bon, j'avais une brute avec moi. Bon, mais en tout cas, ce soir, ça, on espère que tu pourras prendre ta revanche. Dans l'autre match qu'il y aura, un habitué de Touquet chaque année quand on présente le jeu. Oui, d'accord, ok. Pardon, c'est Kevin, okay. Kevin Tran, le rire jaune, avec nous. Comment ça va, Kevin? Ça va, vous allez bien? Ah ben, on va très bien, mon ami. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, tiens. Ah bah là, j'essaie d'apprendre à rejouer, là, parce que ça fait un an que j'ai pas joué. Ah, toujours un peu de réserve. Il est temps je me préviens, parce que je sais que mon adversaire joue tous les jours. Et à un certain niveau, du coup, je suis en train de préparer toutes les excuses
pour si jamais je perds, je peux dire ouais, mais tu comprends, ça fait un an que j'ai pas joué, j'étais blessé au genou en plus. Donc du coup, ça, la spécialité de ouais. Kevin, c'est de dire je suis pas fort, je suis pas bon et tout, et après de jouer quand même à fond. Donc, tu vas pas nous la faire à l'envers. Du pouce, oui, voilà, ça fait 3 ans que tu nous l'as fait, et on sait très bien que tu vas jouer pour gagner. Mais en même temps, c'est vrai que ton adversaire, il est peut-être bon à prendre cette année, puisque il fait plus trop de jeux vidéo, il fait surtout maintenant du rap, parce que monsieur se lance dans des clips à la production américaine. C'est bien sûr notre ami Brocky. Comment ça va, Brocky Brooks? Eh ben écoute, ça va très bien. Et toi? Ben ça va super. Écoute, et vous, toujours ravi de retrouver tous mes amis pour découvrir le nouvel opus de Touquet. Et forcément, si on parle d'un nouvel opus de Touquet, forcément, tu es dans la place. Ouais, bah écoute, on est là, on joue un peu à Touquet. J'ai un peu de mal, hein. J'ai un peu de mal sur ce qui, je peux vous mentir. Hein. Il est, mais je pense un peu comme tout le monde parce qu'ils l'ont vraiment rendu très difficile cette année. Mais c'est bien, on voit les vrais joueurs. Ça, c'est vrai qu'il n'y a plus de place pour les tricheurs. On aura le temps de parler du gameplay et de la nouvelle jauge de tir qui a changé effectivement cette année. Mais bon, j'ai quand même du mal à croire que tu ne vas pas nous le sortir tes meilleurs moves avec Kyrie Irving. Ah, gars. Quand on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. On sait que Brocky est le fan ultime de Kyrie, encore plus dans les jeux vidéo dans Touquet. Et c'est lui qui maîtrise le mieux le meneur de jeu des Nets, ça, on ne va pas se mentir. Là, il régale, il régale. Bah oui, il régale, il régale. Kyrie Irving, ça sera bien d'ailleurs qu'on le voit ce soir puisqu'on ne l'a pas vu dans la bulle. Hein. Bah non, il ne joue plus au basket. Donc, il joue plus au basket. Ah, c'est plus un genre de basket. Non. Ça, il est dans les all-time maintenant, dans les joueurs. Hein. C'est clair. On a fait le tour de nos 4 invités, mais ce n'est pas tout, puisqu'on a encore 2 invités qui seront avec nous en duplex. C'est un joueur qui connaît pas mal la NBA, plutôt qu'il a su au quotidien, puisqu'il s'agira de Nicolas Batum, ouais, qui sera avec nous plus tard. Et ouais, il la suit, il joue aussi. Hein, voilà, puis voilà, toujours intéressant d'avoir Nicolas Batum qui suit toujours tout ce qui se passe autour de la NBA, que ce soit donc l'actu évidemment, mais forcément aussi les jeux vidéo. On est bien placé pour le savoir, puisqu'on a la chance de l'avoir avec nous en ce moment dans nos émissions. Et il y aura Giorgio, notre buddy de basketball, puisqu'il joue avec nous toutes les semaines. Il est aussi grand fan de basket et gros joueur d'NBA 2K. Ah bah alors là, on parle d'un mec qui a saigné l'opus 2K 20 dans le parc, hein, surtout. Il a créé un joueur. Lui, son délire, c'est les grands intérieurs costauds, les monstres de la raquette, comme on les appelle. Donc, je suis persuadé que Giorgio va faire bonne figure dans des quiz. Il ne sera pas là pour jouer, mais il sera là pour défier Nicolas Batum dans différents quiz. Pas simple. Bon courage, voilà, Giorgio. On a présenté un petit peu tout le roster de cette équipe, on a plutôt une belle équipe, on va pas se cacher, on est là pour jouer le titre, et puisque pour jouer le titre, il faut jouer des matchs. Alors commençons avec le premier match et la confrontation entre Bruce et Braque. Est-ce que messieurs en régie, on est prêts? Est-ce que tout est prêt pour lancer ce premier show match? C'est Kevin et Kevin, autant pour moi. Kevin et Kevin, Erwan. Kevin et Kevin, très bien. Bah allons-y alors. Kevin Le Rire Jaune contre Brocky Brooks, deux vrais joueurs de Touquet. C'est important de le dire. Kevin se fait passer pour un mec un peu humble et tout, mais on sait qu'il est là pour gagner et il aime les challenges. Et jouer contre Brocky, malheureusement, moi aussi j'ai perdu souvent contre Brocky, c'est un grand challenge. Ah bah allez, c'est les messieurs en régie, c'est quand vous voulez. Et bien sûr, Tom, on va s'occuper du commentaire et de l'ambiance autour de ce premier show match. Allez, on va voir le choix des équipes. Toujours. Oula, on est sur du team essai direct, non? Ouais, il est chaud. Ah ouais. Attends. Prends la 16. Moi, je prends la. Kevin veut commencer directement avec un duel. Des Team USA. USA dispo, bah, y a Kyrie. Le jeu. Il y a Kyrie effectivement dans Team USA de 2016 à Rio et 2012 à Londres pour Kevin Le Rire Jaune. On parle là-dessus vraiment? Franchement, il y a Kyrie, mais attends, de ce côté, il y a quand même. Il y a Kobe, Kevin et LeBron qui me fait super flipper. Ouais. L'énorme différence, on va pas se mentir, c'est LeBron. Hein. Ouais, carrément. Attends. I got a little something. Allez, vas-y, régale-nous. Qu'est-ce que tu vas faire? Une équipe all-time, donc peut-être pour Brocky. Je suis très curieux de voir ça, sachant qu'on sait qu'on est en milieu d'année, donc on a vu les nouvelles notes, mais qu'on est quand même dans un entre-deux pour le jeu. Ça doit être difficile, hein, justement, pour Touquet, les éditeurs, d'oscier entre eux cette saison actuelle et en même temps la sortie d'un nouveau jeu. Bah oui, il y a des joueurs, qui n'ont plus joué depuis le mois de février. Ouais. Donc, pas le mois de mars. Ouais, depuis le mois de mars, donc pas simple à noter. Il est parti sur les Lakers all time. Il est juste parti sur les Lakers all time avec Magic, avec Jerry West, avec Kobe, avec Kareem Abdul-Jabbar, poste 4, et avec le Shaq titulaire. Ah ouais, mais moi j'ai Tyson Chandler. Poste de pivot. Tyson Chandler contre Shaq. Ouais. Ça bien fait pour toi, Kevin, t'as voulu faire le malin. Je viens de réaliser le. Va falloir trapper, mon ami, hein. Va falloir tenter les choses. Je viens de réaliser le problème là. Donc un premier match qui n'existe pas, hein, évidemment. On va sur le kiff ce soir. Je l'ai vu en vrai ce match. C'est important. Tu l'as vu en vrai? Ouais. Bravo. Hein. Puis après, s'y réveiller, c'était pas mal. Allez, c'est parti en tout cas pour ce premier match. On a fait l'écartement de 3 minutes pour que ce soit agréable, mais pas trop long non plus. Qu'on soit là quand même pour s'amuser. And the
Attends, c'est LeBron, c'est Abdul Jabbar sur LeBron. Il joue 4. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un sacré match-up, Erwan. C'est clair. Deux salles, deux ambiances, mais. Mais deux des trois meilleurs joueurs de l'histoire aussi. Clairement. Des meilleurs scoreurs aussi. Absolument, absolument, absolument. What a pass! What a pass, comme dit Brocky. Et donc Magic, hein, qu'on ne présente plus, hein, meilleur meneur de tous les temps. Qui va jouer en direct sur Kyrie Irving. Encore une deux ailes, deux ambiances. Hein. Ouais. Ben voilà, il a retrouvé ses cannes, Magic. Ouais, ça va mieux apparemment. Let's go. Alors on rappelle qu'on joue sur la PS4 évidemment, la PS5 n'est pas encore sortie, vous le savez tous au monde, on attend que ça et on sait aussi que bah, le jeu c'est le jeu PS4 et que le jeu PS5 sera sûrement très différent. Oh là 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 là, voilà. Ça commence bien en tout cas avec un look fou pour LeBron, le jeu sera très différent et l'idée c'est que 2K nous a préparé un jeu 2K21 sur la nouvelle génération qui sera développé à partir de zéro. Donc on aura la surprise de découvrir un tout nouveau jeu. Là on joue certes à un jeu, mais on peut imaginer que sur PS5 ce soit totalement différent. Donc l'idée c'est de découvrir une nouvelle expérience de jeu, de sport. C'est un peu la promesse qui a été faite. Ouais. Tout à fait, j'ai hâte d'y être. Et ben voilà. Vous avez vu la nouvelle jauge, elle a un peu changé pour ceux qui ont l'habitude de 2K20 et qui n'ont pas encore eu la chance de jouer à 2K21. Elle est au-dessus de la tête, elle est horizontale et ça change énormément si tu tires avec le carré ou si tu tires avec le joystick. Donc on va pouvoir apprécier ça. Moi qui commençais à peine à maîtriser la jauge de 2K20, voilà, après, terminé. Voilà, le jeu top, j'ai mis un an et le jeu ne marche plus, donc faut que je réapprenne les nouvelles jauges. Ben voilà, Kobe non. Qui attaque. Mais non. Pourtant, on a des repères dans la salle. Hein. Ouais, c'est clair. Regarde Kobe qui attaque maintenant. Kobe sur Kevin Durant. Ça joue pick and roll à fond. Bonne défense de Kevin Durant et donc de Kevin le rire jaune pour le coup. Attention. Hey, Magic, il... Magic ouais, ouais, il va très très vite. Il encane. Il a mis deux dunks, c'est son record de l'histoire dans un seul match. Hein. Ah, il dunkait, méfie-toi. Hein. Alors, pas deux fois dans un match. Hein. C'était pas des dunks spectaculaires, mais il dunkait. C'est sûr. Il était grand, il fait plus de 2 mètres. Hein. Ah, il fait 2m06, ouais, il fait un peu plus de 2 mètres. C'est ce que je disais. Il va falloir courir Tyson Chandler un peu là. Hein. Parce que le Shaq, il fait des allers-retours et il est en train de faire de vraies différences. Il y a 12 à 8 déjà. Enfin, déjà, il y a 12 à 8 avec 15 secondes à jouer, cher Erwan. La dernière possession pour le rire jaune. Et ben voilà, elle est une bonne première filoche et ça célèbre pour Kevin Durant. On rappelle hein, que Kevin n'a jamais joué à ce jeu-là, hein, comme il nous a dit au début du match, et qu'il est venu avec beaucoup d'humilité, alors qu'on sait tous qu'il joue très bien. Oh là là, accordé ou pas? Je sais pas. Je crois que c'est après le buzzer. Non, c'est après. Il me semble que c'est après le buzzer. Non. En tout cas, une filoche sur un fadeaway de Kobe, ça fait kiffer. Monde cruel. Allez, ouais. Juste un peu, ouais. Bon premier carton en tout cas, 11-12, ça nous promet un match serré, contrairement à ce que voulait nous faire croire le rire jaune. On va avoir un vrai match. Ça on l'a vu en vrai Tom. Hein. Ah oui on l'a vu c'est en vrai, plusieurs fois. C'est plutôt sympa, on conseille à tous ceux qui aiment le sport en général d'aller faire un tour à un match des Lakers s'ils ont l'occasion d'être à Los Angeles. C'est quand même des moments uniques à vivre. Les remplaçants sont rentrés et on voit Will Chamberlain côté Lakers. Belle rotation à l'intérieur. Belle rotation. Kevin Love côté Team USA, j'ai vu. Ouais, Anthony Davis, la numéro 14 côté Team USA. Et ben voilà, ça c'est LeBron. Ben oui. LeBron remplaçant des Lakers, évidemment. Bah il a. Bah oui. Mais en même temps, c'est tout à fait normal hein, quand on voit le roster de base. James Harden aussi est rentré. Ouais, James Harden et Anthony Davis. C'est un jeune Anthony Davis, hein, on se souvient. Ah non, c'est 2016 ça. Il a choisi 2016. Oh. Non, il a pris, la Team USA 2012. Donc c'est un. Non, c'est un James Harden, c'est pas 2012. C'est un. Si, il y a James Harden, mais il y a Anthony Davis qui n'est pas encore NBA. Ah ouais, d'accord. Anthony Davis qui est encore à Kentucky. À Kentucky. Ouais, c'est mieux que Duke. Hein. Bah, c'est Duke, même tu couleur. Peux chercher longtemps. C'est la même couleur. Évidemment, à Kentucky. Et ce 52, est-ce que tu peux me dire qui c'est? C'est Goodrich. Ah non. Oh là là. Aïe, 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 non, c'est Jamal Wilkes. C'est Jamal Wilkes, bravo. J'essaie de mettre tout à côté pendant 5 minutes et puis de revenir dans mon cast. Tu sais qu'on a fait un super reportage. Par contre, Gail Goodrich est rentré d'ailleurs. Hein. C'est le 25. C'est le 25, ouais, absolument. Et un petit layup, ça fait 13 à 16 pour Kevin Le Rire Jaune. Avec donc son remplaçant LeBron. Qu'est-ce que tu penses de ces premières images du jeu là, Tom?
Bah, de toute manière, on n'est jamais déçu sur, sur les images du jeu. De toute manière, 2K est la meilleure sportive du monde. Donc voilà, c'est pas forcément là qu'on attend les nouveaux jeux, surtout en une année de transition de console. Donc voilà, le jeu est toujours très très beau. Hein, le jeu de lumière, les contacts, tout marche à merveille. Donc voilà. Pour l'instant, tout se passe bien, j'ai envie de te dire, dans ce jeu. Est-ce que tu as eu des infos un petit peu sur le My Career ou... Oui, My Career, maintenant, ceux qui ont joué le savent, mais vous pouvez choisir votre fac, comme c'était le cas il y a 2 ans maintenant. Et tu prends quelle fac, toi? Bah là, il y a plusieurs facs, moi je serais allé à UCLA direct. Hein. Alors là, elles ne sont pas toutes disponibles, mais UCLA quand même, pour le kiff. Après, si tu as le choix, tu ferais quoi? Michigan State, toi? J'aime beaucoup Michigan State, mais il fait froid quand même. Hein. Oui, bon. Moi, je prendrais... Dans le chauffage, tu sais, au Michigan. Je prendrais Arizona State. D'accord. Pour de mauvaises raisons donc. Hein. Ah, pas pour les meilleures des raisons, effectivement. Ouais. La réputation des plus grosses fêtes du pays. C'est vrai que pour les raisons basket, non, je sais pas, j'ai Michigan State, c'est bien. St. John's aussi, j'ai toujours bien aimé. Ouais. Oui, messieurs, on est à les Kevin, on est quasiment à la mi-temps de ce match-là. Vos premières impressions sur le jeu, la prise en main? J'ai l'impression que je me débrouille mieux que l'an dernier contre Brocky. Je marque un peu plus. Ouais, le jeu il est... Mais il est plus fluide, même si la barre de jeu est un peu compliquée. J'ai l'impression que c'est plus fluide. Et toi, Brocky? Moi j'ai bien quand même squatté à la maison. J'ai bien squatté. Le mec qui joue non-stop. Sorti vendredi dernier, le gars est déjà à fond depuis une semaine. Bah, tu peux quand même nous donner tes impressions. Et franchement, non, j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est que justement, comme j'avais dit, c'est devenu vraiment beaucoup plus dur de shooter. Et du coup, on voit vraiment les gros joueurs. Il n'y a plus de verre incessant là, à l'autre bout du terrain. Maintenant, c'est quand tu joues en ligne, il y a même des mecs, tu les vois ouverts dans le corner, ils n'osent même pas shooter. C'est vrai que sur 2K20, il y a un truc qui était complètement fou, c'est que dès que tu avais le timing de ton joueur, bah, tu faisais du green tout le temps. Et quand tu regardes les matchs des joueurs pros, donc qui font que ça au quotidien, ça green tout le temps. Et cette idée d'avoir renforcé la joueuse du tir, en tout cas l'avoir rendu un peu plus difficile, ça va peut-être nous amener à avoir d'autres actions que du tir à 3 points sur les matchs de compétition, dans le mode Pro-M par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Kevin n'est pas content apparemment. Il y avait un 3 points incroyable avec... Ah oui, bon, bah tiens, regarde, vas-y, tire. Oh, oh, dommage. 25-19 pour Brocky. Petit break pour Brocky qui a été à droit, hein, qui a été à droit sur cette deuxième mi-temps. Il gagne chaque carton de 3 points, quoi. Et voilà. C'est simple, visiblement. Tu sais que l'année dernière, pour la sortie de 2K20, j'étais à Los Angeles avec Brocky et j'avais gagné la première mi-temps contre lui. C'est vrai. Pourquoi tu n'as pas lâché la manette, du coup? J'ai lâché la manette, je suis parti, j'ai gagné. Il arrête sur ça. Et il me dit, mais non, le match n'est pas fini. Je fais, si, j'ai gagné. Et je suis allé boire des cocktails. Donc voilà, et puis j'ai tweeté en disant que j'avais gagné contre Brocky. Donc voilà. C'est comme ça qu'on crée une légende. Sur des mensonges. C'est vrai. Et ben voilà, un petit Kobe. Enfin, je régale là avec Kobe. La Kobe, il est fort. Non, on attend que ça. On veut que tu mettes au moins 70% des points avec Kobe. Hein. C'est parti, ça part. Allez, vas-y, Kobe. Régale-nous. Fade away. Ok. Tu sens la maîtrise du gars? Ouais. Il y avait peut-être un lay-up. Hein. Au moins aller chercher la faute. Non, il préfère faire un petit setback. C'est un lay-up pour Kobe, ça. Pas faux. Après, il y a de la vraie dissuasion quand même chez nos amis des Lakers. Hein. Ouais, mort. Franchement. Oh putain, Chandler, incroyable le rebond. Il faut bien qu'il serve à quelque chose quand même. Il a pris sur Abdul-Jabbar quand même. Ah mais il est vieux Abdul-Jabbar, le mec a rien compris. Les gars, okay. vous tirez avec quoi, joystick ou carré? C'est parti, ça part. Carré. Sur les deux. Kobe. Oh, oh. Kobe est chaud, c'est ce qu'on veut voir. 6 points donc, hein. Ce sont ses 6 premiers points, il était à 3 balles perdues. Il était pas si chaud que ça en fait, notre ami. Du Kobe quoi. C'est Chris Paul ça. Il est dégueulasse son shoot dans le rebond. Et toi, tu tires aussi avec carré ou avec joystick, Brocky? Moi, je tire avec carré. Le joystick, c'est bizarre. C'est très dur. Bah, le problème, c'est que ça va sur les côtés, quoi. Oh là là. C'est dur, ça. Oh là. Petit coup de chaud. Ouais, petit coup de chaud et petit break, là. 11 points. Allez, Kevin, va falloir remettre un petit panier, se remettre dans le match, parce que sinon... Ah oui, bah, ça, c'est un bon choix, ça. Ça, c'est basket. I don't care, everybody says. That's a bad shot. Allez, 10 points d'affilée pour Kobe. Oh, le tir incroyable. Oh, attends, que des fadeaways fous.
Ouais, okay, bon, ce qui voilà. est bien cette année, c'est que la jauge, elle est. Mais bon, avec Kobe, ça marche pas. Ouais, c'est, avec Kobe, c'est, Kevin, c'est normal. Kevin, il a pas voulu m'écouter. Kevin n'a pas voulu m'écouter. À quel propos, raconte-nous. Je lui ai dit, viens, on joue en pro. Il m'a dit, non, rookie sera mieux pour moi. Ah, non, c'est, un peu, c'est bien de le dire, on est en rookie. Parce qu'en fait, en rookie, je pourrais rentrer plein de shoots. Plein de shoots difficiles. Et, ouais, toi aussi, donc. Lui aussi, hein, lui aussi, il peut. Hein. Pour un moment, il faut même pas qu'il hésite. T'es open d'en haut. Hein. Et ben voilà, Kiki. Ouais. Par contre, moi, je cherche l'ouverture, en fait. Ouais, l'ouverture, c'est lui, là. L'ouverture, c'est lui. Ah, là, c'est dedans, ça. Oh là 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 là. Il est chaud, hein. Ah, plutôt, ouais. 12 points d'affilée. 13 points, même, avec un 3 points. 13 points consécutifs pour Kobe, côté Lakers. Godala. Tu sais qu'il y avait André Godala. Ah, oui. C'est une sacrée carrière, notre ami, quand même. Ouais. C'est vrai qu'il est partout, lui. Hein. Il est toujours en lice en playoff en plus. Hein. Plus que jamais. Hein. Du coup, du hit, évidemment. On parlera tout à l'heure avec les gars et Nico de la saison. Un petit peu de la saison et de qui nos invités voient champion cette année. C'est plus que jamais ouvert, on a l'impression quand même. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment, nous, on en parlera demain dans le First Day Show. C'est un truc de ouf. 18 points d'affilée. Après, même. Rookie, Kevin, hein, t'as choisi Rookie avec Kobe. Même moi, je l'aimais, les tirs. Hein. Bah, moi, je l'aimais pas, t'as vu. C'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne réflexion que tu me fais là. Allez, 10 secondes à jouer avant la fin du troisième quart. Kobe avec la balle qui est chaud. Il a le takeover. Il est passé, il va tirer. Oh non, mais attends. Oh là là. 19 points d'affilée pour Kobe qui fait donc l'écart. Hein. Bon, bah, ce premier show match aura duré une mi-temps. Voilà. Bruce et Brack, on va tout de suite aller vers vous. Incroyable. Incroyable. Ah, bravo, Brocky, en tout cas. C'est bien de commencer avec un récital de Kobe. Où il y a beaucoup. On a vu que Touquet d'ailleurs a beaucoup axé d'ailleurs sur la com autour de Kobe. Hein. Avec la fameuse Mamba Edition qui est complètement, ce qui est complètement normal, ouais, avec la belle Mamba Edition, ouais. Ouais. Avec un Kobe afro. Un Kobe afro. Je crois que le match a repris, les amis, pour aller voir ce dernier carton entre Kevin Le Rire Jaune et Brocky Brooks. Il y a un petit écart, mais c'est pas grave, on va voir si le show Kobe, non, j'imagine qu'il est sorti là, mais le show Kobe continue. Là, il est là. Il est toujours là, ouais. Et ben voilà, très bien. Oh, oh bah Iggy, il est sérieux là. Il lui met les 24 à Kobe. Ouais. Il lui met le 24. Et pourquoi pas, hein, écoute. Kobe contre Kobe. Oh, c'est dur ça. Bah, quand même. C'est raté. Fin de série pour Kobe, qui était peut-être à 7 sur 7 ou un truc comme ça. Non, Russell. Russell. Ah, Kobe dans les mains. Oh, Kobe de l'autre côté, mais un énorme tir sur la tête de James Worthy, je crois. Oh, oh d'accord. C'est facile le basket comme ça. Comment je vais à cette soirée, hein. Il y a que des Kobe disrespect ici. Il est passé. Wow. Oh là là. Attends. Frère, non, c'est trop. C'est Carmelo ça, Brocky, qui fait ça. Ouais, je sais. Je me sens frustré, Kevin. Ah, il aime pas perdre. Hein. C'est dur. Bah après, autant que ça tombe sur Kobe, quoi. C'est vrai. Mais en fait, je comprends pourquoi moi, mon Kobe, il l'aimait pas. Tu vois. Il en a mis un très très dur. Hein. Après, bon. Et tire en mouvement. Ah, alors lui, ça rentre comme dans le pub. Ah ouais, bah ouais. Alors à lui, ça régale. Hein. On rappelle pour ceux qui regardent que c'est en niveau rookie, donc le niveau le plus facile. Donc ce qui explique cette adresse assez incroyable. Hein. Ah ouais, parce que vous allez dire que vous montez un tout petit peu et là on n'a plus le même jeu. T'as bien couru mon grand. Allez. C'est dedans ça. C'est dedans. Voilà. Tout de suite, pour revenir à 12 points, 13 points, 1 minute 33 à jouer. Ça va être compliqué, on va pas se mentir. Mais bon, pourquoi pas. Ouais, mais là avec beaucoup d'adresse comme ça, ça peut aller vite quoi, avec de l'adresse. Un petit coup de chaud, quelques stops. Et le Shaq. Oh, un Shaq sur Chris Paul, c'était compliqué. Hein. un peu. C'est pas grave puisque. Non. Choix suspect, oh, le Shaq quand même. Hein. On y va. Oh le Shaq, on y va. On s'arrête pas, le Shaq.
Il va tenter un cause to cause avec le Shaq, qui dribble sans perdre la balle, incroyable. Oh, le Shaq. Que fait le Shaq? Que fait le Shaq? Ah, merci, je disais aussi. Non! Mais c'est un truc de ouf! Moi, ça rentre pas! Enfin, Kevin, tu prends des tirs compliqués quand même. Bah non, je prends les mêmes petites tirs que lui. J'ai pas l'impression complètement. Un one. Mais non. Est-ce que vous êtes allé voir, vous qui êtes dans le chat, sur le Twitter de le stream pour aller voir, pour aller checker les concours? Il y a deux concours aujourd'hui. Il y en a un pour gagner une PS4 Pro et un NBA 2K21 Mamba Forever. Et un autre concours avec quatre éditions de Mamba Forever. Donc allez voir sur Twitter, vous nous dites si tout est bien en ligne. Et puis quoi, bonne chance à vous les gars. RT, follow à l'ancienne, on connaît. Allez le Shaq, enfonce-le. Eh hey, papy, allez papy. Bonne défense. Dommage. Bon vieux Tyson Chandler. Toujours en roquette, ça. Ouais. Je sais pas dans quel rôle, par contre, parce qu'il ne joue jamais, mais... Dans le staff, hein, si j'ai bien compris, avec un beau salaire. Il est en alternance, il fait kiné. Ah oui, on dit aussi dans les concours. C'est vrai, j'ai totalement oublié, mais il y a un concours sur un maillot à gagner. Et devine de qui il s'agit, Erwan. Kobe Bryant. Un numéro 8 Kobe en maillot jaune que j'ai eu la chance de voir et qui est très très beau. J'ai eu la chance de voir en photo évidemment. Quel numéro? Numéro 8, c'est ce que je viens de te dire. Je voulais pas perdre de 20 points. Et tu as donc perdu de 17. 17. Bah, il reste un carton, ça peut être un objectif. Non, 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 c'est fini. Ah, c'est fini là? Bien sûr. Ah, terminé, bravo. L'an dernier, il m'avait battu de 21, je crois, et je me suis dit là. Quelle mémoire! Comment tu fais pour te souvenir que l'Ilian avait perdu de 21 juste avant de venir, hein? Il a regardé la vidéo. Il a regardé la vidéo juste avant de venir. Bravo en tout cas, Broky, pour cette première victoire. On te retrouvera forcément pour un autre match. Kevin, tu vas rejouer des matchs, t'inquiète pas, tu vas pouvoir te refaire. Ben la déception. C'est dur la vie. Ça c'est mon Kevin Trad compétiteur ça. Mais Kevin il a pas de chance, à chaque fois il vient, il joue toujours contre moi. Ouais mais attends, attention, vraiment. Je suis un squatteur moi je suis un squatteur. Moi la dernière fois que j'ai joué c'était à 365 jours. Bah ouais donc, je sais justement, c'est des gamins. Non mais attends, Kevin, est-ce que tu as pris du plaisir quand même? Ah non bien sûr, le jeu il est incroyable. Ta première mi-temps quand même, on aurait pu y croire. Hein, tu sais. Ouais, bah il y avait que 6 points d'écart. Après il y a. Après il y a un gars qui a pris un petit coup de chaud. De Black Mamba dans le troisième carton. Ouais. Il a fait le taf. Il y a eu un meilleur Kobe que l'autre dans ce match-là. Ah ouais, mais parce que moi le Kobe au JO, il est obligé de faire des passes, tu vois. Kobe au JO, il est altruiste, tu vois. Parce que après, malheureusement, KD, il a pas voulu suivre. Tu vois, LeBron, transparent sur ce match. LeBron, c'était encore en 2012, donc c'était l'époque où il avait pas encore tout l'arsenal, tu vois. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui... On me dit même que comme c'est un match important, James Harden n'a pas existé dans le dernier quart. C'est vrai qu'il n'y avait vraiment rien pour toi dans ce cas-là. C'est clair. KD, il n'avait pas gagné de titre, ouais. Le point, il n'en a fait qu'un. C'est pas grave, t'inquiète pas. Le seul mec qui a été à son niveau, c'est Westbrook qui a fait n'importe quoi. Donc moi, là, on n'avait pas de... Là-dessus, on n'a pas eu de surprise. Broky, tu prendras le vainqueur entre Bruce et Braque, okay. et toi, Kevin, tu prendras le perdant entre Bruce et Braque. Donc, est-ce que vous avez une préférence, chacun? Moi, Bruce, parce qu'il y a eu une fois, il y a eu un tournoi à FIFA et il m'avait battu 1-0. J'avais mis un poteau à la fin, j'étais dégoûté, et du coup, j'ai jamais eu ma revanche. Il y a un air de western un peu dans cette émission, il y a de la revanche dans l'air. Hein. À mort. On règle nos comptes comme on peut. Ça se tient, mais écoute, on verra en tout cas dans quelques secondes qui sera dans quelques vainqueur. Minutes, parce qu'avant de lancer le deuxième showmatch, on vous a dit, on vous a promis qu'il y avait un quiz. Ah oui, et donc messieurs là, on va retourner voir, c'est mieux, Bruce et Braque, puisqu'on va vous faire un quiz à tous les quatre, et je vais vous dire les règles, et je veux qu'elles soient appliquées à la lettre, sinon ça sera pas marrant, ça sera relou. On va vous poser des questions, il faut attendre la fin de la question pour pouvoir y répondre, et le premier qui répond a gagné. C'est rapidité. C'est rapidité. C'est important. Voilà, il y a des questions plus simples que d'autres. Bah, okay. J'espère. On peut même mettre des points si tu veux, si c'est vraiment très difficile. Je regarderai avant on les... Verra. Ok, on verra. Alors, mais attends, on me dit, parce que les choses sont bien faites, qu'il y a même un jingle avant de passer aux questions. Donc, comme on dit dans le métier, jingle. Messieurs, voilà, tout le monde est là, bravo, on est là. Ça vous a plu ce premier match, Bruce et Braque? Vous avez regardé ça avec...
Attention. Ça fait même un peu flipper, j'ai envie de te dire. C'est surtout ça le problème. Après, vu qu'avec Brac, nous, on est des gros joueurs, on n'est pas des petits joueurs. Non, on jouera en pro, on jouera pas en rookie, tu vois. Donc voilà. On va se faire défoncer, c'est dur. Ah mais c'était intéressant et moi je me prépare déjà à attraper Kevin, voilà. D'accord. Simplement. Bien vu. C'est un jeu de mots, lequel. Bien vu. Je sais pas. Vu. Donc alors, messieurs, on vous a promis un quiz, donc il y a 10 questions. Thomas, tu vas poser la première et c'est moi qui vais donner un petit peu chaque fois les points. Il y aura 1, 2 ou 3 points. Il y aura une question à 3 points, je pense, pour une question très compliquée. On est prêts les gars? On laisse finir la question à chaque fois et ensuite on répond. Vous êtes prêts? Première question. Depuis 2014, qui est le président de la NBA? Adam Silver. C'est pour Kevin. C'est pour Kevin. Kevin, le rire jaune. Ah, mais ah ouais, mais c'est question. Ah ouais, c'est rapidité. Oh, rapidité. Rapidité. Non, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris, Broken, quand je dis c'est une question de rapidité? Ah non, mais là, il m'a pris de vitesse. Très bien. Ah bah alors là, cette fois-ci, concentre-toi. Comment s'appelle l'équipe NBA représentant la ville de Portland? Trailblazers. Ah, je crois que c'est Kevin. Hein. C'est Kevin encore, ouais. Kevin, le rire jaune. Deux points. À toi, Tom. À l'issue des playoffs. Deux points, NBA. Celle-là. Ah, elle vaut des deux points, celle-là, ouais. Oh là là. Très bien. À l'issue des playoffs NBA, quel trophée est décerné à l'équipe gagnante? Le Larry O'Brien Trophy. Et ben voilà, ça fait déjà 4. Il va donc rouler sur tout le monde, hein, Kevin. Il est trop chaud. Celle-là, elle vaut en copain, là-haut. Celle-là, elle vaut 3 points. Qu'elle n'ont porté ce trophée, donc le Larry O'Brien, avant de s'appeler le Larry O'Brien? Le Bill Russell Trophy. Pas du tout. Bill Russell Trophy, c'est le trophée pour le MVP des finales. Mais c'est pas bien tenté. Le Patrick Ewing Trophy? Non, respecte ton académique, s'il te plaît. On a dit que c'était pour les champions. Hein, le Red Auerbach Trophy. Non, c'était pas mal tenté, mais vous n'allez pas le trouver. C'est le Walter A. Brown. Ah non. Pas vous n'avez pas non plus celle-là. Très dur, moi non plus. Ouais, très dur. Un point. Ouais, autre question. Dans l'effectif actuel des Toronto Raptors, toujours champion, qui porte le numéro 33? Kyle Lowry? Non. Non. OG Anunoby? Non. 33. Un joueur qui n'avance plus. Attends, il y a qui là-bas? Un joueur espagnol. Gasol. C'est pour Brocky. Faut dire le prénom. Non, je l'ai dit avant. J'ai dit Marc Gasol. Faut dire le prénom. Je l'ai dit avant. Mais genre. Bruce, calme-toi. C'est bon, Bruce. Il vient me disputer comme un arbitre de foot. J'ai dit Marc Gasol. Faut dire le prénom. Non. Tu dis Gasol. On m'aurait demandé à préciser. Je l'aurais dit. Je suis allé au plus rapide. J'ai dit Gasol. Toi. J'ai pas voulu perdre. Ça peut être pas Gasol. Il est parti très vite sur l'espagnol. Bravo. Un point pour toi. Quelle équipe a remporté la saison 2006-2007? Les Spurs. Tout à fait. Bien vu, Kevin. Avec son MVP pour un petit point bonus. MVP des finales. Tony Parker. Bien sûr. Tony Parker, évidemment. Oui. Mais oui. T'as dit Kawhi, il avait 14 ans. 2014. J'aime pas quelle année il a dit. 2014. Pour te dire. J'aime plus en quelle année il a dit. 2007. Ah, Kawhi, c'est en 2014. Ouais, 2007, il était déjà fort à Kawhi à cette époque-là. Mais c'était en 2014. Il était au lycée, quoi. Il aurait pu être MVP NBA à ce moment-là. C'est clair. Autre question, les gars. Quel joueur a marqué une fois en NBA 100 points? Oh, Chamberlain. C'est moi. Ah, là, c'est parti, Brocky. C'est pour Brocky. Brocky, donc 1, Bruce 1. Et Kevin, tu as environ une vingaine de points maintenant. 5 points, Kevin. Ça rigole pas en régie. Ouais, c'est clair. Il y a Laurent Machko qui prend les tire les comptes. Alors, celle-là, je dis 2 points. Oui, vas-y. Quelle équipe NBA est la plus titrée? Chicago Bulls. Boston Celtics. Avec combien de titres? 17. Bravo, Kevin. 7, ouais. Ah, il est trop chaud. Bruce et Brack, je sais pas qui c'est qui a dit les Bulls, mais c'était les Bulls ont 6 titres. C'est Bruce. Les gars, c'est Bruce, 100%. C'est bien tenté. Non, mais c'est bien tenté, mais j'ai juste une info. Les Bulls ont 6 titres, les 6 titres avec Michael Jordan, donc les Celtics. Les Lakers, c'est combien? Les Lakers, 16. Attention. Attention, les Lakers, ils ont 5 titres de Minneapolis, donc c'est pas vraiment Los Angeles. Ah, c'est la franchise qui compte. Oui, c'est ça, je sais. Là, il veut un point en plus. Attendez, les gars, le nombre de titres d'une ville, c'est pas le nombre de titres du club. Le nombre de titres d'une ville, c'est le nombre de fois où t'as brûlé ta ville après que l'équipe ait gagné. Non, mais là, c'était quelle équipe? L'équipe et la ville. Ah, mais les Celtics, ils ont brûlé leur ville 17 fois. Alors que les Lakers, ils ont brûlé Los Angeles 11 fois. D'accord, ils ont brûlé Minneapolis, donc je crois, mais brûler des choses à Minneapolis vaut mieux l'hiver surtout. Hein. C'est clair. Autre question. Vas-y, c'est toi, Tom? Ouais, c'est à moi. Alors, je réfléchis au nombre de points. Non, allez, ce sera un point. Quel entraîneur détient le record de titres NBA remporté avec 11? Red Auerbach? Non. Kevin, tu peux plus répondre. Ouais, éliminer Kevin. C'est ça qu'on devrait faire. C'est pas Red Auerbach, il en a 9.
Même pas. Ah, Phil Jackson, Phil Jackson, Phil Jackson. Phil Jackson, Phil Jackson, Phil Jackson, Phil Jackson. Pardon, excusez-moi. Qui d'autre a dit Phil Jackson? Moi. C'est pour Brooklyn. Les Raiderbacks, il n'y en a pas 9, parce que les derniers, c'est Bill Raiderbacks. Ah, je suis trop bête, je le savais. Merde. C'est donc pour Brooklyn. Brocky qui prend un deuxième point avec Phil Jackson. Merci, merci Philou. Il reste une question, Erwan. Il reste une question. Oui, tout à fait. Ah, elle est facile. Quels sont les deux numéros que Kobe Bryant a portés sur le maillot des Lakers? 24-8. Je vais la donner à Bruce, tranquille. Parce qu'il a attendu la fin de la question. Et la discipline est toujours récompensée sur le plateau de la First Team. C'est vrai, tout à fait. Franchement, je l'ai laissé. Moi, je l'ai fait par rapport à ton ton. Tu attends de la fin. Non, non, mais voilà, la discipline. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, attends, on a fini les questions. Petit point sur le score. 8 pour Kevin, le rire jaune. Ça fait donc 2 pour Brocky. 2 pour Bruce. 2 pour Bruce. Et le gars qui s'est. Le Feynman. Il a disparu carrément. Parce que on ne dira pas son score. Hein, mais là, le numéro de Westbrook. En fait, il a cru que c'était un live de volée. Ouais. C'est pas grave, c'est pas là qu'on t'attend, mon cher Braque. Bon, et le pire, les gars, c'est que franchement, au moment où tu poses la question sur l'entraîneur le plus titré, dans ma tête, vu que j'ai vu le docu sur Netflix, The Last Dance, dans ma tête, je me suis dit, putain, il y a un moment donné, ils vont forcément parler de Phil Jackson et je pense que ça va être peut-être là où je vais prendre un point. Et j'ai pas osé, je sais pas pourquoi. Tétanisé Braque, par la pression. Braque, j'ai une question. Putain. Que pour toi. Oui. Phil Jackson, il a gagné ses 11 titres avec 2 franchises en tant que coach. Lesquelles? De quoi tu me parles? Mais non, je rigole, je rigole. Réfléchis, alors attends, déjà les Bulls, et franchement, je crois que j'ai l'info parce que je l'ai vu tout à l'heure. Les Bulls, titre, très bien. Et il a coaché les Lakers. Ouais, ben voilà. Ouais, ben franchement, bien. Donne-moi un qui mérite son point. Mérite un point. Si tu veux, on va aller un peu plus loin. Il a aussi gagné 2 titres en tant que joueur. Avec quelle équipe? Avec quelle équipe? New York. Ouais, avec New York. Il y en a un qui est venu là pour briller, apparemment. Ah, il a terminé tout le monde. Bah, il est trop chaud. Je crois que c'est lui qui a fait le quiz. Ouais. J'ai bien reçu ton mail, Kevin, en fait. Hein. Braque, t'inquiète pas, c'est pas la contention comme le disait Thomas, tu vas pouvoir te rattraper puisque c'est maintenant votre tour à Bruce et à Braque de faire le deuxième showmatch. Qu'est-ce qu'on me dit dans la régie? Dites-moi. N'oublie pas le jingle. Ah, c'est vrai, mais ouais, j'ai pas l'habitude, j'étais pas briefé sur le jingle. Alors, comme on dit dans le métier, je vais le dire tous les. Jingle. Ah oui, c'est marqué jingle dans le truc. Ok, excusez-moi les gars, je dois commencer avec des pros du métier, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Des mecs qui ont roulé leur boss un peu, quoi. Tu vois, depuis 89, la tournée de Johnny, on sait de quoi on parle. J'ai envie de te dire qu'ils ont déjà choisi leur équipe et que le match part direct. Ah, voilà, on a ça. Droit à un derby de Los Angeles. Bravo messieurs, la possible professionnelle. On prend des équipes actuelles, donc c'est très intéressant pour découvrir aussi le jeu, parce que des fois, prendre des joueurs un peu all time ou des équipes trop fortes, ça fausse un peu les choses. Ouais. Voilà. Je voulais juste dire un truc. J'entends pas Bruce dans mon casque, mais c'est pas pour le dire à la régie, c'est juste pour dire que franchement, ça fait du bien. D'accord. Il y a des messages qui passent. C'est toi qui m'entends pas non plus. Du coup, mais. Ah, toi, tu l'entends pas non plus. Personne ne s'entend pas, donc voilà. Je crois que ça vous fait des vacances. Attends, à chacun. On peut changer la caméra vite fait. Oui, dans option caméra, caméra touquet. C'est où que je change mes touquets? Tu R1, ok. Ah oui, R1. Caméra touquet. On voit les basket-X, hein, les vrais. Non, on joue pas en retransmission, on joue en caméra touquet, il a raison. Alors je vais faire pareil. D'accord, oui, fais-le toi aussi, s'il te plaît, Braque. Ouais, je veux bien. C'est plus agréable pour nous. Oula, désolé. Il a donc quitté le jeu, hein. Appuie sur option. Ah, mais voilà. Qu'est-ce qu'il fout là déjà? Ah, c'est alors, bon, attends, c'est attends, bon, attends. C'est bon. Est-ce qu'il nous entend de moi? Bruce, tu m'entends? Moi, je vous entends. Ah, là, j'entends Bruce maintenant, c'est bon. Ah, très bien. Parfait. Sache Bruce que pendant ce petit moment juste entre nous, Braque s'est lancé à quelques confidences. Et voilà. Je peux savoir. Et je ne savais pas que votre couple battait de l'aile. Voilà. On va régler ça. Et bonne chance les gars en tout cas. Merci. Et évidemment go Lakers, hein, toujours. Non, déjà faut que j'arrive à appeler mes joueurs là. Parce alors attends, que... qui a qui là d'abord? Moi j'ai les Clippers. D'accord, très bien. Mais déjà j'arrive pas à appeler mes joueurs, je suis en galère. Si t'as un sifflet, c'est mieux pour les appeler. Hein. Non, mais en défense, j'arrivais pas à appeler. Eh, ça va être un carnage. Oubliez tout ce que vous venez de voir juste avant, là, les gars. Ça va être un autre délire. Je suis toujours très inquiet quand je vois des trucs qui apparaissent sur l'écran quand t'appuies sur croix et que t'as pas envie de le faire. C'est que ça. Mais ça c'est pas mauvais. Bon signe. Ça sent mauvais. C'est ça, Braque. Ah, je testais la technique là pour passer automatiquement à tes joueurs. Tu vois tout ça là qui sort là, c'est très inquiétant. C'est comme quand un mec dit je peux jouer avec vous, qu'il a toute la panoplie d'un joueur
chaussures, shorts, maillot. Cycliste, évidemment. Ouais. Non, mais quand, t'as l'habitude un peu aussi d'autres jeux, c'est toujours compliqué, tu vois, au niveau des touches, quand t'as tes habitudes. Merci, Marc, ça me plaît beaucoup. Ah, je tente des trucs, moi, je prends des risques. Qu'est-ce que tu tentes au juste là, parce que... Bah, je tente des dribbles, moi, je suis le genre de mec qui prend des risques. D'accord. Et bien, c'est qu'après à peine 1 minute 15 de l'autre match, on sait que c'est Broken qui va gagner le tournoi. Les gars, on est en pro, donc voilà. C'est vrai. Respectez ça. Mais on respecte ça, t'as raison. Oh, bah, coup, c'est bien chaud. Pas mal. Quel crack. Voilà, Anthony Davis. C'était juste le temps de se mettre un peu en route. Mais on n'est pas inquiet, t'inquiète. Il n'y a rien de fait. Il n'y a absolument rien de fait dans ce match. Vous pouvez gagner chacun, tranquille. De toute façon, il faut bien qu'il y ait un vainqueur, même s'il y a 20-18 à la fin. J'avoue, au niveau de la défense, on n'est pas ouf. Non. Et de lancer pour Zubac, après un rebond offensif. Zubac, c'est un joueur des Lakers, hein, qui fait d'ailleurs des bons playoffs avec les Clippers. Là. Ouais. Allez, lancez franc, vas-y. Bah voilà. Restez bien avec nous, puisqu'à la fin du match, on va récupérer Nico Batum et Giorgio. Ouais. Et on va, à leur tour, leur poser des questions. Et cette fois-ci, chacun leur tour. Parce qu'on ne vous cache pas, Nico Batum est très très chaud en quiz. Nous, on l'a souvent affronté. Honnêtement, c'est pas cadeau. C'est vraiment pas cadeau, donc Giorgio, on va pas lui faire l'indélicatesse de l'envoyer au feu face à Nico. Donc chacun aura son questionnaire. C'est pas faire offense à Giorgio, mais c'est juste pour qu'il s'amuse aussi, quoi. Tout à fait. Une petite passe au Dwight Howard qui va marquer, bah voilà. Il est là, Brack, hein. Ouais, il est là. Brack Howard. Brack Howard, grave. Faut prendre ça, bien sûr, Jamichael Green. Wow. Pas payé. Allez, il faut aller marquer là. Allez. Ok. C'est quoi ce dribble incroyable? Quelle belle pompe, le rebond, Rondo. On est là avec Rondo qui est partout hein, depuis hier. Hein. Même ça commence à me faire peur, bah, coup là. Bah non, c'est... Par contre, mes top joueurs, ils sont où là? Bah ils sont sur le banc, je crois. C'est des feignants, ça vient de commencer. Oh. Ah ouais. C'est comme si Messi il sortait la 22e minute. Je suis orphelin des deux là, je les cherche, je vois personne, je fais ok. Ah bref, vas-y, c'est bien ça. Dommage, t'aurais pu rester encore un peu plus longtemps. Non, qu'est-ce qu'il me fait lui? Allez, qu'est-ce qu'il a pas compris? Il est passé. Ah. Bah voilà. C'est vrai que moi aussi je vois plus mon LeBron, non? C'est un peu bizarre. Ils ont fait des rotations rapides. C'est vrai que ça a été speed. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bah on évite de mettre le pied en touche. Out of bounds. Il y a des sorties. Mince. C'est vrai, j'avais oublié. Oh. Ah désolé, je me suis cru le temps d'un instant dans la fin du quatrième carton. Non, j'ai rien mis là, j'ai Bravo. Pas vu la jauge. Continue comme ça, Bruce. J'ai pas pu gérer là. Bah ouais, bien sûr. Allez, va marquer. Cours tout droit, fais une petite passe, Brack. Deux secondes à jouer. Shoot. C'est bien, Brack. Mais j'ai pas le chrono dans ma tête. En bon meneur de jeu, en bon gestionnaire, Brack, faut avoir l'œil sur le chrono. Ouais, c'est vrai, non, j'avoue. Aïe. 13-6 hein, déjà. C'est vrai. La mascotte qui ne veut rien dire des Clippers. C'est Bruce qui fait son petit tour. On ne sait pas ce que c'est en fait. Je suis en train de te rouler dessus, donc ça va. Pas mal. Allez, on se réveille là. Hein. Par contre, nos deux meilleurs joueurs, un jour, on les voit ou ça se passe comment? Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre ça. Mais on peut pas gérer ça du coup? Si, vous pouvez gérer. Mais j'ai clairement la flemme de vous expliquer. Au prochain match, on le fera. Débrouillez-vous, messieurs. T'as un enfant, Thomas. Ouais, c'est clair. C'est bien joué ça, il y a des passes. Faut trouver un tir ouvert maintenant. Oh là là, tu t'en sors bien. Allez, ça rentre pas ça, hein. Ça rentre pas. Oh c'est un shooter, un chamette. Ah, oui. Faut le faire. Tu parles, Brack. Est-ce que vous pouvez me dire qui sont mes shooters à 3 points? Parce que c'est ma spécialité en fait. Les Lakers, on n'a pas des masses. Hein. Ouais. Ah ouais, mais fallait me le dire ça. Ah, là, t'as le Kuzma, il peut en mettre lui, il peut filocher. Caruso D'accord. peut mettre. Là, tu peux tenter, là, avec lui, tu pouvais. Là. Ah, y a une bonne défense. Ah ouais, mais si tu me charges, je peux pas en fait. Allez, va au bout, grand. Cette charrette. Ouais. Oh là là. Jamichael Green. Jamichael Green qui a joué en France. Est-ce que vous savez dans quelle ville? Si vous le trouvez, vous êtes mes idoles. À Montmorency. Là, c'est presque pas un loin. Délire comme ça. Pas loin. Il a joué à Rouen. Ah, pas mal. Ouais.
l'année où ils descendent en Pro B. Comme quoi, une carrière de joueur, ça peut aller vite. Hein. C'est clair. C'est vrai. Et maintenant, aujourd'hui, ils jouent avec Kawhi Leonard et Paul George. Et ils visent le titre NBA. Et ils visent le titre NBA. Ah, c'est clair. Allez, tout seul là. Dommage. 7 secondes à jouer. Ah, faut prendre la tire absolument d'ici 3 secondes, André Chamet, et ben voilà. Ben André Chamet, il fait du bien là. Ah, il fait grave du... Mais par contre, c'est incroyable parce qu'Anthony Davis et LeBron, toi tu les as pas et moi j'ai pas mes deux aussi. Bah ouais, je comprends j'ai pas. J'ai pas Kawhi et tout. Je pense que là, ah bah les voilà. Ah mais c'est incroyable. Je pense que la sortie de Tambor, il va les relancer quand même. Ouais, enfin, sorti tellement tôt. Voilà, les 2-5 majeurs vont revenir, LeBron est revenu. Ah, c'est pas trop tôt. C'est bon. Reviens pas trop, hein. Ah, c'est là, vrai que je peux te dire qu'avec Kawhi sur toi. Ouais, compliqué. Allez, vas-y, t'es passé. Bien joué. Oh, pas payé. Oh, le rebond. Voilà. Oh, le contre, incroyable. Non, mais c'est pas possible. Oh, ok, Paul George. Gros tir. Bon, là, c'est un naufrage. Hein. On peut le dire. Ouais, on peut dire ça, ouais. Ah. Ah, t'es gourmand. Tu reach comme ça, t'es gourmand. Et Braque qui va pas la donner. Mais si. T'as 5 secondes pour la donner, ah, Braque. Mais je voulais, mais est-ce que t'as fait, Braque? Ouais, mais là, on m'a filé une manette de Wish, là, c'est pas possible. Là. Non, mais sérieux, il va pas faire la page, je rigole pas. Je sais pas sur quoi t'appuies, Braque. Je crois que c'est ton écran qu'on voit. Ouais. Tu sais, pour changer de joueur, t'as juste à appuyer sur croix. Ah, c'est ça, mais depuis tout à l'heure, j'appuie sur L1, moi. C'est les amis. En fait, ton L1, il va demander le joueur que tu veux, mais bon, t'es pas obligé de faire ça. Si tu appuies juste sur croix, tu auras le joueur le plus près de la balle. Par contre, ouais, les gars, c'est chacun pour soi ou il y a de l'assistance, là, c'est comment? Je viens de voir le score. Il a parlé avant pour le laisser en galère. Ah non, mais moi, ça, fallait me le dire. Depuis tout à l'heure, moi, je changeais mais c'est pas. Vrai. On n'a pas été bon. Ah ouais, mais c'est pour ça aussi. Recommence le match, alors. Les gars, ça va être de votre faute. Ouais, faut recommencer, là. Ah ouais, mais je savais pas, moi. Tu vois, t'appuies sur quoi? Bah oui, bah maintenant c'est clair. Et ben voilà. Bah oui, maintenant c'est clair. Tout va changer, hein. Ah bah là, c'est sûr, là tu vas remonter tranquille. Attends, il reste combien là? J'ai combien de temps? Reste de cartes. J'ai encore 2 cartes. J'ai encore 2 cartes pour revenir. Dans le deuxième quart, il te reste une mi-temps entière. Ça va. Mais où ça se fait? Ça se remonte, ça. Ouais, c'est possible. Ouais. Allez, c'est pas très adroit, Bruce, au lancer. Hein. Si, c'est mon deuxième raté. Il y en a un, j'ai pas fait exprès. J'avais mis hors timing. Du coup, c'était de ma faute. Il y a que oh, dommage. Ah, c'est pas possible. Ouais, mais il a l'icône glace, à mon avis. Lui faire prendre des tirs comme ça, c'est pas cadeau. Hein. Ça va pas le remettre dans le truc. Ouais. Mon petit hier soir, il aurait pu. Un mais là... petit peu, on va attendre le chrono, tranquille. Quoique, lui, je le sens bien, lui. Kawhi. Non. Dommage. Allez, de la course. 8 secondes à jouer, allez Mac, 8 secondes, faut aller au bout. 5 secondes, va au bout. Tente, 3 secondes, tire maintenant, tire. C'est ce que je vais faire. Oh, c'était très dur. T'aurais dû aller au layup là, il est en mode glace comme ça, faut aller se rapprocher pour lui redonner confiance parce qu'en vrai, des sauciflards à 2 mètres derrière la ligne à 3 points, c'est pas cadeau quand même. Hein. 25-7 hein, quand même. Hein. Ouais, 25-7, ça pique. Hein. Comment vous trouvez le jeu alors du coup, les gars? Mortel, moi je kiffe perso, après c'est sûr que la prise en main, enfin voilà, quand t'as un joueur très très habitué des touquets, forcément t'as des petites habitudes. Après la prise en main est pas simple, il y a tellement de choses à maîtriser en fait, c'est surtout au niveau des petits dribbles, etc. Tu vois, moi par exemple, j'aimerais bien apprendre vraiment 2-3 dribbles efficaces pour faire la diff en 1 contre 1 et tout, et c'est ces petits trucs qui manquent, je pense. Bah, il y a à bosser. Le truc du drip, donc c'est avec le joystick droit. Joystick droit, hein. Ouais, j'ai vu. Ouais. Et le truc, c'est qu'effectivement, c'est comme pour tous les jeux, tu as des combinaisons à faire, aussi. Les combinaisons, et tu as des combinaisons qui marchent très très bien et d'autres un peu moins bien. Ouais. Et il faut avoir en plus le joueur qui soit capable, yes, de placer les combinaisons. Bref, je t'apprends rien là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu de travail. Parce que les combinaisons, elles sont. Faut les connaître bien, quoi, et faut les maîtriser. Donc, c'est vrai qu'il y a des modes dans le jeu pour pouvoir s'entraîner. Et une fois que tu as ça, bah, par exemple, Brocky, quand il joue avec Kyrie, il a plein de dribbles qu'il maîtrise parfaitement. Et ça devient très difficile à défendre. Ouais, même si cette année, la défense est encore plus forte que d'habitude. Et que les joueurs ont tendance à vraiment rester devant toi. Oh, je te l'ai rendu. Il y a Lillard, il a l'air complètement ouf cette année. Bon, en même temps, l'image de. Oui, oui. En même temps, il est mérité, du jeu. C'est donc, mérité, mais je veux dire, dans le jeu, j'ai l'impression que c'est le cheaté cette année. Bah, il est incroyable. Ah ouais. C'est mérité après. Après, tu sais bien que tous les joueurs qui sont sur la jaquette ont toujours c'est un petit avantage sur les ça, autres, sinon ça n'a pas de sens. Ouais. Bah, évidemment. T'imagines, t'es sur la jaquette et on te met un score kata, une note naze. Tu sais, t'es nul, t'es moins fort qu'en vrai.
C'est bien joué ça. Ah, Braque, il revient. Noir, les gars, continuez à lui parler. Ouais, c'est parce clair, que ni mais... vu ni connu là. J'avoue, j'arrête de parler là. Je commence à m'acclimater là. Continuez à lui parler, les gars. La discussion, continue. C'est l'ennemi de la du compétitif dans un jeu de vidéo de toute manière. Exactement. Eh, hein. minus 11, les gars. Attention. C'est vrai. On revient. Allez, faut défendre. Oh. Eh oui. Je vais aller à l'essentiel. Alors qu'on voit les pourcentages, pas bravo Braque, hein. Ah mais ça c'est normal, ça c'est... Mais non game. En fait moi mon seul objectif aujourd'hui c'est Kevin. Bruce c'est trop la famille, je peux pas me donner à fond contre Bruce. Fais ta passe Non, mais, les gars, j'appuie sur croix. Tu peux te donner à fond contre qui là? Hein, c'est ça la vraie question. Non mais il y a un truc que je comprends pas sur les remises en jeu, j'appuie sur croix les gars, ça veut pas faire la passe, je comprends pas pourquoi. On regardera la prochaine remise en jeu parce que là comme ça, je sais pas pourquoi ça ferait pas une passe. Bah ouais, je sais pas. Bien joué. Bien joué tout seul, il me tire à 3 points le coquin. Oh le, ouais, le coquinou, ah, c'est un vrai truc de coquin ça. Juste ce qu'il fallait. Vrai truc de coquin, pas conseillé dans un vrai match. Hein. Ah vas-y, je vais arrêter un peu le carré parce que... Alors là, regardez. Là. Les amis, je crois que c'est le moment de foncer sur Twitter. Ouais, je le sens bien Twitter, là. Sur le Twitter du stream. Ah. Ouais. Je crois qu'il y a des choses à gagner. Allez-y. Par exemple, une PS4 Pro pour ceux qui veulent. Jeux vidéo aussi NB2K21 pour ceux qui veulent aussi. Sûrement bas. Pourquoi pas, tant qu'à faire. Hein. L'édition est quand même à 100 balles. Voilà, on vous dit ça, on vous dit rien, mais voilà. Allez sur Twitter si vous avez envie de tenter votre chance et faire un beau cadeau si vous avez déjà la Play ou si vous voulez jouer au jeu et que vous ne l'avez pas encore. Hey KCP, bien joué ça. Oh Kuzma. Ah c'est pas possible. Je mets des trucs comme ça dans mon équipe, j'ai envie de le brûler, je te dis direct. Des lettres ratées là. Bien joué. En fait Bruce il est trop fort quoi. Arrête. Bah au shoot il est pas mauvais quoi. Des upsteps et tout. Ouais, mais il est pragmatique. Tu disais que tu maîtrises pas encore le dribble, tout ça et tout, c'est certes. Ça, mais par contre t'es pragmatique, tu sais où mettre la balle, tu sais comment mettre des paniers faciles. J'essaye, voilà. Je vais pas me compliquer la vie sur des choses que je maîtrise pas assez pour le moment. Mais j'ai envie de m'y mettre et de maîtriser plus de choses, tu vois. Le jeu est tellement cool que... Ah non, ça c'est bon. Ça me donne envie de progresser et tout. Oula. Bien revenu en défense. Tu as pas donné. Ouais, bien revenu le repli. Ah, il rentre trop facilement là. Bien joué. Ah, il y a un nouveau bel écart qui est en train de se faire, 18 points. Avec 35 secondes dans le troisième quart. Ça va être compliqué hein, mon Braque. Ouais, je vois ça. Ouais, c'est comme ça qu'on a tiré extérieur avec Edward aussi. Ah, là, t'as pas pris le joueur qu'il fallait pour ce genre de fantasy. En fait, j'ai voulu feinter le shoot et j'ai voulu faire une passe derrière, mais il m'a pas écouté. Ça, c'est bien joué ça. Dommage. 15 secondes à jouer. Allez, Braque. Ouais. Cette fois-ci, on va au bout. Hein. On veut un tir près du cercle ou un tir ouvert, pas mal. 7 secondes. Ouais. T'as le temps. Ah, Davis. Oh, bien joué. Trop fort. Au talent. Hein. AD. 2 secondes. Ça tire. Dommage. 34-18. Allez, moins 16. Bon, faute, C'est remontable. Ouais, ça va être compliqué. En 3 minutes, ça va être compliqué. Hein. On va pas se mentir. Il t'a détruit. Puis va surtout falloir faire un truc que tu n'as pas fait du match, c'est mettre à 3 points. Quoi. Donc, c'est pas faux, mais il me faut les éléments pour les mettre les 3 points. C'est ça qui me manque là pour l'instant. On va les récupérer tous les deux, les éléments. J'espère bien. Ah, le deuxième round de Bruce. Bon. Bon, LeBron est revenu en tout cas. Bah voilà les dribbles. Oh, le respect. Je le touche même pas, je saute même pas, je comprends pas. C'était propre ça. Monsieur Paul George au lancer franc. C'est bizarre de voir du public sur un match de basket. C'est vrai. On n'a plus l'habitude. C'est vrai. On est tout seul, ouais. Bien joué. J'ai déconné. Ouais, bah là. Steph, c'est un cadeau, ça. Ouais. Le repli défensif à revoir. Ah, hein. Oh, les mecs, il manque pas de culot, celui-là. Allez, dernier carton de la rencontre, et après, on ira retrouver Giorgio et Nico Batum pour leur quiz personnalisé. On va bien se marrer aussi, il y a pas mal de trucs à voir. Il y a des questions d'Animo Tom, pas cadeau. Hein. Pas cadeau. Bah, Nico est très fort. On va essayer de l'avoir sur des questions un peu d'experts, il y a un peu de tout.
il est capable de nous surprendre de toute manière. Donc voilà, dans deux minutes, ça va être très cool. Puis on va aussi parler de l'actualité NBA tant qu'à faire. Ah, lui, il est très très compliqué à prendre, lui. Kawhi, surtout si tu me laisses comme ça, Kawhi, c'est pas simple. Surtout si tu me colles pas. C'est simple pour personne, Braque, hein, Kawhi, je te rassure. Ah, Kawhi, ouais, je sais. Trop fort. Oh, mon vieux Danny. Oh là là. Oh là là. Cherchez un shooter à 3 points, le 14, Braque, tu peux lui... Ok. Tu peux tenter ta chance. On peut lui faire confiance. Plus qu'à d'autres. Oh là là, petit aller-oop en plus, là. Aïe, aïe, aïe. Allez. C'est quoi cette défense dégueulasse là, oh. Bah, tu fais des, tu tentes des trappes milieu de terrain compliqué, hein. Ouais, mais le reste là, ça se désorganise vite là. Allez. Allez, cours, 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 cours. T'as vu LeBron? Ah, LeBron il s'est écarté. Bien joué. Allez. Là, c'est un bon tir, ça. Ah, ça méritait mieux. Oh, mais non, il shoot pas. Ah, il a enregistré ta passe, je crois. Ah ouais, c'est terrible. Et ben, l'occupant. C'est terrible. Surtout que ça aurait pu avoir une incidence sur le résultat. C'est dommage. Non, mais pourquoi ils se sont levés les deux là? Je voulais pas, moi j'ai rien demandé. Hein. Ah oui, mais c'est parce que le coaching, en fait, il est automatique. Ah, c'est terrible. Il reste une minute à jouer. De toute manière... En tout cas, on voit que Bruce, lui, il joue en passe. Hein. Ah, pas trop dribble. C'est un amour collectif. Ouais. Bingo. Et un bon tir. Raté, c'est dommage, mais c'était un bon tir. 50 secondes à jouer dans le match. Déjà ? Ça passe vite, hein ? Ça passe vite. Ah bah un peu, ouais. Heureusement, hein, parce que vu, la, hein, vu l'écart. Oh ! Vu le suspense. Elle est là, la défense. Hein. Bien joué. Bien joué, ça. Bravo, bien couru. Parfois, il y a des petits éclairs comme ça, tu vois. Ouais. Ils ont du mal à se montrer, mais... Non, je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas. T'as voulu m'humilier, petit coquin. Non, non, je voulais pas, t'es malade, jamais je shoot comme ça. Ça, c'est pas beau, hein. Ouais, j'ai voulu dribbler avec le stick et sans faire exprès, j'ai shooté. Faut prévenir Kevin, hein, ça sera pas pareil tout à l'heure. Hein, dernière possession, mais t'inquiète, il regarde, je pense, hein, il t'entend même. Hein. Ah. Kevin, si tu m'entends, hein, écoute, hein, prépare-toi. T'inquiète pas, on va aller le voir, justement. Il a dit quoi? Je peux te dire que ça va pas être le même match, hein, je te le dis. Hein. Là, j'étais en rodage. Allez, 5 secondes à jouer. Avery Bradley, Holy Up, allez, qui marque. Et une très belle victoire de Bruce. Hein. Ouais. Attends, c'était mon objectif de la soirée. Je pouvais pas perdre contre Braque, tu vois, c'était mon objectif. Ça se tient. Hein. Ouais. Allez, victoire de Bruce, donc de 17 points, Braque. Bravo, mais il n'y a quand même pas eu photo. Il retrouvera donc sur notre grande finale. On pèse les mots entre Bruce et Brocky. Et donc, il y aura la petite finale entre Braque et Kevin, le rire jaune. Messieurs, avant d'accueillir Nicolas Batum et Giorgio, j'aimerais qu'on se retrouve tous les six pour discuter un petit peu. Je sais que vous suivez tous l'actualité NBA. J'ai envie de vous poser une question. Dans ces playoffs qui en sont maintenant aux demi-finales de conférence, quel est votre champion pour vous? Qui vous voyez soulever le trophée Larry O'Brien d'ici deux semaines Un mois. Ça va vite. Je vous pose la question. À tout le monde, en fait. J'aimerais bien avoir l'avis de tout le monde. Tout à l'heure, on avait une jolie petite fenêtre avec les six. Et j'aimerais bien avoir l'avis. On va commencer toi avec Kevin, le rire jaune. Je sais que tu regardes forcément ces playoffs. Quelle impression tu as et qui tu vois gagner? Le gagnant de la série Lakers-Clippers gagne le titre. Alors déjà, pour toi, les Clippers vont passer face à Denver sûr. Ouais. Et les Lakers vont passer face aux Rockets sûr. Ouais, Kawhi, je ne pense pas qu'ils perdent à ce stade-là de la compétition. Et je sais pas, je pense que il va y avoir un game set. Je pense que entre Lakers et Clippers, je pense que sans blessure, les Lakers gagnent le game set, mais de rien du tout. Genre, ça va dépendre de la présence d'un Rondo qui va pouvoir soulager un peu la main pour LeBron, quoi. Comme il l'a parfaitement fait. Victoire des Lakers. Comme il l'a fait hier. Oui, ouais. Moi je pense que les Lakers gagnent le titre parce que face à qui en finale? Alors, donc attends, il reste Miami et les Celtics. Je pense que c'est les Celtics qui vont passer. Alors, les Celtics, ils mènent 3-2 face aux Raptors et ils sont en ballotage favorable de fou. Hein. Alors, je pense que les Celtics, si les Celtics passent là contre les Raptors. En fait, si les Raptors passent, je pense que les Raptors battent Miami. Si les Celtics passent, Celtics vont en finale. Je vois pas. Je pense que Miami, ils sont un peu short.
J'ai vite dit. Hein. Non, mais contre les Celtics, je trouve qu'ils sont... Ouais, non, mais j'entends. De toute façon, je pense que Celtics Heat, c'est impronosticable. Absolument. Mais Kevin, je suis un peu de raisonnement, on pourrait se retrouver avec une finale Lakers-Celtics. C'est beau pour l'histoire. Dix ans plus tard. Mais même si c'est Clippers Celtics, je pense que c'est Clippers ou Lakers qui gagnent. Ça sera un vainqueur qui viendra de l'Ouest, ouais, quand il arrive pour toi. Ouais. Très bien. Très bien. Brocky, tu dis quoi, toi? Moi, je peux pas aller contre les Browns. Hein. du coup, moi, je veux dire Lakers. Mais ouais, moi, je vois bien aussi un Lakers-Celtics. J'aimerais bien aussi voir les Celtics y aller, parce que franchement, ils me font grave kiffer. J'ai essayé de bien suivre la saison de Tatum cette année. Et franchement, il a bien accéléré. Hein. Bah, il est fort. Hein. Bah, il est fort. Une vraie progression des deux côtés du terrain en plus. Hein. Ouais. Il est très fort. Il est très fort. Donc pour toi aussi, Los Angeles Lakers, Boston Celtics en finale, ça fait deux. Intéressant, belle cote en tout cas. Vous, on sait que vous aimez le basket d'un peu plus loin, évidemment, Bruce et Braque. Mais bon, je sais que vous avez un avis sur tout. Alors Bruce, tu dis quoi toi? Moi aussi, je vais dire les Lakers. Ça serait beau en plus par rapport à ce qui s'est passé avec Kobe. Je pense que pour le symbole, ça serait vraiment cool. Mais je pense que ouais, pareil, vainqueur Lakers-Clippers, ça va être très chaud, je pense. Parce que Kawhi, etc., il faut le sortir. On le voit ces dernières années. Le mec, c'est une machine de guerre. Donc je pense, ça y est, comme il l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a moyen que ça se joue au match-set. Et de l'autre côté, par contre, ouais, c'est un peu compliqué. Je vois les Lakers, mais de l'autre côté, ouais, c'est chaud. Peut-être aussi Boston, même si j'avoue que Miami... Miami. Ouais, Miami, alors, Miami, pour ceux qui nous regardent et qui ne suivent pas un petit peu, Miami, ils ont Giannis Antetokounmpo, MVP en titre, qui risque d'être double MVP. Les Bucks, les Milwaukee Bucks avaient le meilleur bilan de la saison régulière de la Ligue et ils se sont fait botter. Ils étaient menés 3-0, ils ont gagné le match 4 au forceps et ils se sont fait botter 4-1 par une équipe de Miami qui, honnêtement, depuis le début du restart NBA, nous régale avec un collectif et une superstar qui est Jimmy Butler. Il est incroyable. Ouais, tu parlais de compliqué de sortir Kawhi Leonard, compliqué de sortir le Heat et Jimmy Butler, je pense, cette saison aussi. Hein. Ouais. Ouais, moi je vois du coup cette finale et vas-y les Lakers. Ce serait une très belle finale. Et enfin, toi, Brad, tu dis quoi? Moi, depuis que Steve Nash a pris sa retraite, j'ai arrêté de faire des pronos. Ça tombe bien, c'était qu'il y a 5 ans. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, j'ai pas de pronostic. Voilà, s'il y a plus Steve Nash, ça m'intéresse plus trop. C'est vrai, t'es un grand fan de Steve Nash. Alors, très grand fan. Non, mais c'est archi intéressant, surtout que tu as suivi l'actualité, donc du coup. De Steve Nash? Bah non, je ne suis pas sur Twitter. Mais tu dois quand même suivre la First Team. Non, la First Team. Donc tu n'as pas vu l'info passer. C'est que Steve Nash revient en NBA. Ah, il va jouer? Alors non, il va pas jouer parce qu'il a, je pense, 163 ans. Tu peux lui faire croire n'importe quoi. Mais par contre, il revient, il va coacher les Brooklyn Nets. C'est pas mal ça. Il va coacher Kyrie Irving et Kevin Durant. Ah ok, j'aime bien Kevin Durant, mon cousin m'en parlait beaucoup et je pense que lui s'il joue il peut gagner, je pense. C'est clairement ce trophée. L'info qu'on a vu, parce qu'il y a un Français qui joue au Nets qui s'appelle Timothée Luaoukabarot et qu'on a eu la chance d'avoir en Zoom et qui nous donne des nouvelles assez régulièrement, et Kevin Durant en fait s'entraîne depuis plusieurs mois maintenant sur du 55. Ils n'ont pris aucun risque de l'envoyer sur le restart, donc dans la bulle à Orlando, mais il est déjà physiquement prêt à faire de l'opposition, donc lui il attend qu'un truc, c'est que la saison se termine et qu'il recommence l'autre. Hein. Moi j'en connais un autre qui s'entraîne, hein. Il est juste en dessous de moi là, je sais pas si vous le voyez là, il écoute pas ce qu'on dit là depuis tout à l'heure. Bruce, fais gaffe, hein. Parce que je te dis que là, lui là, je vois ses yeux là depuis tout à l'heure là, fais bien gaffe à toi, je te le dis. Il va me détruire. En gros, Brocky est en train de s'entraîner depuis tout à l'heure. Regardez, il est en train de jouer là, en chacal là. Green light. Et ben non, baby. Quand il s'entraîne, il est là pour gagner. Donc pas bravo, plébiscite pour les Lakers, donc chez nos invité, toi Thomas, t'es aussi Lakers? Oui, moi j'avais mis Sixers en début d'année, bah voilà, j'ai mis les Bucks au début des playoffs, bah voilà, hein. Mais je suis un peu d'accord avec Kevin pour dire que le vainqueur sera à Los Angeles. Clippers, Lakers, c'est difficile de savoir, mais j'ai cette sensation que l'une des deux équipes de Los Angeles va gagner. Ouais. Toi aussi? Bah, c'est là où il y a les mégastars et on sait qu'il n'y a pas de blessure. Ouais, bien évidemment. Ouais, évidemment, évidemment, mais... Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, le pressentiment, que sur le Lakers Clippers, Kawhi il va se faire mal. Pas qu'il pense ce que tu nous dis. Hein. Ah, non, mais en fait, parce que toute la saison, il a fait que de se reposer comme la saison d'avant. Genre, il a enlevé des matchs, des matchs qu'il a pas joué, etc. Et je me demande si, en fait, c'est pas les trois dernières meilleures années de Kawhi qui nous restent, en fait.
avant que son qu'il y ait quelque chose qui lâche dans son corps. Quoi. Alors, ça fait des années que ça marchait pour l'année dernière. L'année dernière, on avait eu le sentiment final qu'il était un petit peu sur les rotules, parce qu'il avait blessé, qu'il avait une petite blessure. C'était blessé contre les Bucks. Ouais. Ou avec les Spurs aussi. Ouais, mais cette année, certes, ils l'ont reposé, mais là, depuis qu'il est dans la bulle, il est à 100%. Hein. Ouais, mais c'est une impression. Je pense que c'est un fragile. En fait, c'est pas un fragile physiquement parce que moi je suis un fragile physiquement. Mais enfin, il est pas aussi solide que LeBron ou... et je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. En tout cas, attends, là il y a un truc qui se passe, c'est important. On envoie un jingle et on accueille Nico Batum qui a besoin de venir répondre à cette question lui aussi, il vient d'envoyer un message, il en peut plus, il veut discuter avec nous. Ah ben c'est très bien, alors ben jingle, écoute. Allez, on va accueillir nos deux derniers invités de la soirée. Nicolas Batum, évidemment, qu'on ne présente plus, joueur des Charlotte Hornets, capitaine de l'équipe de France, rien que ça. Et Giorgio, notre ami rappeur, qui joue avec nous et compatriote de basket toutes les semaines. Comme il est beau, ça, comme champion, il est là, mon Giorgio. Champion. Alors, Nico, il paraît que tu... Ça va, Giorgio ? Nico, il paraît que tu bouillonnais sur le débat de Kawhi, pas solide physiquement. Non, c'est le mec le plus costaud de l'NBA. T'as vu comment je parle pas là T'as vu comment Kawhi, je rentre dans prêt. Aucun débat. Il y a trois mecs sur qui il ne faut pas parler dans ces playoffs. C'est LeBron, Kawhi et Jimmy Butler. Et rajoute Steve Nash, hein, très important. Steve Nash, si tu veux. Ouais. L'année prochaine, lui. Mais non, mais voilà, quoi, c'est... Kawhi, il est voilà, c'est intéressant. Ça fait une conférence. Et je suis à demi d'accord à ce que j'ai pu entendre, comme quoi le vainqueur de cette série là, car on va vers une série Lakers Clippers, sera champion. Mais Miami, faut les battre. Mais, il va falloir battre Miami 4 fois. Vous savez et quoi? Ça, j'ai du mal à voir qui va pouvoir chercher Miami 4 fois. Vous savez quoi, je veux pas faire le mec, hein, mais hier justement j'étais avec un pote et bon, on a lâché un petit billet justement sur le match entre Miami et Milwaukee, et nous on était plutôt côté Milwaukee, et franchement, autant vous l'avez bien compris que je connais pas trop, mais franchement j'ai ressenti un truc quand même dans cette équipe. Ça jouait super bien collectivement, c'était très très fort, il y avait une force collective qui ressortait de ça, et même moi, un mec qui connaît pas très bien le basket, franchement j'avais l'impression quand même que cette équipe là elle était que les joueurs s'entendaient super bien sur le terrain et que ça tournait bien, donc j'approuve. Non, mais c'est ce que Nico dit, c'est que c'est pas les favoris parce que les superstars sont à l'ouest, et même à Boston, il y a plus de superstars avec Kemba Walker, Jason Tatum, même s'il est jeune. Mais ok, allez-y les gars, faut se les fader, nos amis du 8, et faut les battre 4 fois. Giorgio, on t'a pas demandé à toi ton avis, je sais que tu suis les playoffs à fond. Ton favori pour le titre? Moi, j'ai. Après, moi, je sais pas pourquoi, mais je suis pris par un truc sentimental. Avec le décès de Kobe, et du coup j'ai envie que ça soit les Lakers qui prennent le titre cette année, mais j'avoue que je pense que ça va être dur de battre Miami 4 fois. Je pense qu'on va déjà aller sur une finale Los Angeles Lakers Miami, et après j'avoue j'ai du mal à me prononcer, mais j'ai quand même l'impression que les Lakers ils vont pouvoir le prendre cette année, tu vois. Anthony Davis, il fait quand même la diff dans la raquette. Bam Adebayo, j'aime bien, mais c'est quand même plus queuse, quoi, tu vois, Miami et tout, à voir. Bah, c'est vrai que t'as raison, ça se tient. De toute façon, quand on fait équipe par équipe, Anthony Davis, ça peut faire la bascule contre n'importe qui. Bon courage pour la défense, ouais. Même si le Heat aura des arguments défensifs à envoyer collectivement contre Anthony Davis. Bah, demande à Milwaukee, comme ils ont des arguments. Ah ouais, c'est clair. Non, mais c'est l'équipe la plus chargée physiquement de ce qui reste. Miami, ils sont chargés, ouais, en shoot, en physiquement, en tir. Ils ont quatre taureaux là. Butler, Crawford, Crowder, Bam, Crowder et Iguodala. Plus Meyer Leonard pour 5-10 minutes envoyé au charbon. Et Olynyk. Et Olynyk. Non. Ils ont un super coach aussi, Miami. Ouais. Ça peut faire la diff, effectivement. Ouais. En vrai. Encore, on en parlait. Encore, je disais les Clippers, mais aujourd'hui même, c'est impossible de parier contre LeBron. Aujourd'hui. Tant qu'il n'a pas perdu. Dans l'état où il est en ce moment, c'est impossible de parier contre lui. Ce qu'il a fait hier, déjà. Hier, il fait une première mi-temps. Il avait 22 ans, au sommet de sa carrière, dans un pic. Non, il a 35 ans, on rappelle. Hein.
35 ans, année, année 17 pour LeBron James, qui est censé peut-être un jour avoir un déclin physique, mais non, ça n'arrive jamais. Peut-être. Ça n'arrive jamais. Moi, j'ai 38 ans, j'arrive plus à marcher, et lui il est là, je comprends pas. Trois énormes contre-hier. Je ne comprends pas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, messieurs, on a fait le tour de ce débat. C'est le moment quand même de passer au quiz. Nico et Giorgio, on vous a préparé un quiz séparément. Giorgio, je sais que tu connais bien la NBA puisqu'on en parle beaucoup et qu'on joue souvent au basket ensemble. Mais Nico, en quiz, honnêtement, il est très, 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 très chaud. Et donc, pour que tu puisses aussi t'amuser, on te fait un quiz personnalisé pour toi, un quiz personnalisé pour Nico. Et celui qui remporte le plus de points, ben, remporte ce duel. Sachant que les questions pour Nico, elles seront bien, bien hard. Putain. C'est peut-être une chance de. Bah, Nico, je te cache pas, t'as pas fait cadeau. Hein. Bah écoute, attends, c'est trouvable quand même. Thomas, à toi la main, on commence par qui alors. Bah, On commence par Giorgio. Allez, alors, allez. C'est Giorgio qui répond. Monsieur Kevin Tran, je vous vois d'ici. Je sais que tu veux participer, mais tu laisses notre gars jouer. Tu as eu ton petit quiz tout à l'heure, ton carrière de gloire, et maintenant on parle à Giorgio. Alors, je retrouve mes petites questions. J'ai la pression. Mais non, la pression, tranquille. Première question. Quel est le meilleur entre Thomas et Erwan? Tu n'as pas à répondre à cette question, même si tout le monde a envie de savoir, mais ce sera pour une prochaine fois. Vous savez que Zion est sur la jaquette lui aussi de NBA 2K21. Alors, première question autour du rookie, Zion Williamson, à un point près, allez, à deux points près, non, un point près, côté un bon, à un point près, quelle était sa moyenne de points exacte? Donc avec une petite virgule. Je dirais 24. 24 points pour Zion. Ça me paraît haut quand même. Ça me paraît un peu haut puisque. Ouais, non, ça me paraît haut, mais après je me. Non, après, j'avoue, il a pas joué. Après, il a vraiment pas joué beaucoup plus en fin de saison. Ouais, c'est quoi, c'est. Bah, officiellement, 23-6. Parce qu'il y a les stats de la bulle qui comptent maintenant. Il était à 23-6 avant la bulle. Il est malheureusement descendu à 22-5. Ah merde. 22-5. Tu es donc éliminé, merci Giorgio. Non, je rigole évidemment. Je rigole. Autre question pour toi, cher ami. Sauf si tu l'as posé, Erwan. Non, je t'en prie. Ah bah très bien, allons-y. En quelle année Kobe a-t-il remporté son premier titre? Oh là 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 là. Allez, mon Giorgio. Calme-toi, Nico. Non, mais attends, je l'ai. C'est quoi, c'est 2000, non? Bravo. Maman, bienvenue dans la contre Indiana. 2000. Autre question, on reste sur du simple, on reste sur du mainstream. J'ai envie que tu brilles, Giorgio. Michael Jordan, tu connais? Ça me dit un truc, vite fait. Ça doit te dire un petit truc. Combien de fois a-t-il été élu MVP? Putain, ça, j'ai pas le nombre de titres MVP de Jordan, je dirais... 6. Bah, 6, c'est Jabbar. Ouh, tiens, vas-y, dis-le. Non, c'est pas 6. 6, c'est Jabbar. 5. Effectivement, 5 titres de MVP pour Michael Jordan, 4 pour LeBron, hein, par exemple, et 6, tu viens de dire, pour ce bon vieux Karim. Est-ce que tu pourrais nous citer 5 joueurs d'une équipe un peu connue? Celle de la Dream Team de 1992. Est-ce que tu es capable de nous sortir 5 joueurs? Je pense. Si t'es vraiment fort, Charles Barkley. Tu m'en 12, hein. Attends, non, vas-y. Ça, je suis moins chaud, mais attends. Les 5 déjà. 5, vas-y. Barkley. Ça fait Barkley, un. Jordan. Magic Johnson. Attends, je sais pas. Larry Bird. Un cinquième comme vas-y, ça. Vas-y, creuse, tu peux faire mieux. Tu sais que tu peux faire mieux. Ouais, bien sûr, je peux en avoir un cinquième. Attends, ouais, je suis un ouf. Il y avait qui dans la raquette? Il y avait que du lourd, hein, dans la raquette. Il y avait que des vrais gars. Hein. Putain, j'ai envie de dire un truc, mais j'ai pas envie de dire une connerie. Patrick Ewing. Oui. Bah oui. Ça fait 5. Ah ouais. Bon, essaye encore. Attends, vas-y. Essaye d'autres. Tant que tu te trompes pas ou que tu sais. Mais non, t'as 5, c'est bon. Vas-y. Attends, on continue. Alors, il devait y avoir, attends, 92. T'as dit Jordan, il y a forcément Tonton avec. Ouais, il y a Pippen, forcément Pippen. Bien sûr. T'as un autre duo de la même équipe qui ont fait deux finales. Ah, je sais, Malone. Voilà. Karl Malone et John Stockton. Bien évidemment. Bien. On est pas mal, on doit être à 8 maintenant. Ouais. On doit être à 8. Il t'en reste 4. Ah, Kevin, de participer. Tu vois, je t'avais dit que tu voulais participer. Il y en a un. Je vois très bien sa tête, genre c'est un genre un blanc avec une coupe brosse tout militaire, à fait. Genre un peu gaucher, genre. Shooter. Mais putain, j'ai alcoolique. Pas son nom. J'ai un shooter de ouf. Chris. J'ai pas son nom. Chris. Chris, ouais.
Chris Weber? Non. Ah, Chris Weber, il a pas les pantalons militaires. Chris Mullin, Bravo. Pas mal. Il y a Robinson, il y avait David Robinson qu'on a oublié. Et on a dit tout le monde. Il manquait un mec. Christian Leitner, ouais. Je réfléchis, si on a oublié quelqu'un, Karl Malo, non, ça doit être pas mal. Et si, Drexler, bien sûr. Clyde Drexler, qui a été dit par Kevin. Ouais. Très bien. Et ben, bravo Giorgio, j'ai encore quelques petites questions. Et puis comme ça, on va compter les points aussi d'ailleurs. 0 sur Zion, 1 sur Kobe, tu t'es trompé sur Jordan. Tu m'as cité 5 joueurs de la Dream Team, ça fait donc 2. Et alors, petite question qui vaut 3 points. Est-ce que tu es capable de me donner la fac par laquelle est passé Damien Lillard, lui aussi sur la jaquette de NBA 2K21? Pas cadeau. Ça vaut 3 points. Oh, Damien. Putain, les facs, je suis vraiment pété. Tu peux donner un indice ? Il y a Nico qui voudrait peut-être donner un indice. Vas-y, aide-moi. Aide-moi, Nico. Tu viens de le dire il y a 2 minutes. C'est vrai. Ah, tu viens de dire le nom il y a 2 minutes d'un bon joueur. Bon courage quand même. Voilà. Moi, j'y trouve avec cet indice. Pippen State. Effectivement, c'est un nom de joueur avec State à la fin. Lequel ? Un joueur qui ne fait pas partie de la Dream Team, mais dont tu as cité un nom. Toi aussi. Écoute. Attends. Et si tu sors le nom, tu as 3 points directs. Et ensuite, à Nico de battre le score. Attendez, laissez-moi un mini temps de réflexion. Donc, il ne fait pas partie de la Dream Team, j'ai sorti son nom. Tu as dit son nom, mais il ne fait pas partie. Il faut rajouter State après. Et tu l'as confondu avec un militaire. C'est cadeau quand même. Tu l'as confondu. Weber State. Oui, bravo, bravo. Avec 2B. T'es trop fort. J'étais en train de réfléchir. Je me suis dit non, c'est pas Zion State. Non. C'est pas Williamson State. Quel autre joueur je vais pas. J'ai dit ouais, ça peut pas être Bryan State et tout. J'allais y venir, mais je me faisais tous les joueurs que j'avais cités qui ne faisaient pas partie de cette Dream Team. Eh ben bravo en tout cas. Donc ça vaut 3 points. Merci Nico et Erwan. Un point pour Kobe, un deuxième point pour la Dream Team. Et ça te fait donc 5 points. Tu as donc score à battre, 5 points mon cher Nico. Avec un niveau d'un autre niveau, mais bon, parce qu'on est honnête. Le but, c'est quand même de s'amuser. Dans le chat, vous aussi, vous pouvez vous amuser avec nous. De toute manière, si vous avez les réponses, n'hésitez pas à le mettre. Et Nico, tu ne triches pas. Tu veux le faire, Erwan ? Allez, vas-y. J'ai pas mon téléphone. Donc, tu ne vas pas le faire. Je vais pas jeter mon téléphone. Je vais tout casser. Première question, Nico. En 2009, donc la saison 2008-2009, quel joueur finit meilleur scoreur NBA ? Carmelo. Carmelo Anthony. C'est un... Non, c'est en 2010, Carmelo. Non. Erwan, arbitre. Moi, il m'a fait flipper, je te dis tout de suite. Vas-y, alors. Ok. C'est pas Carmelo. Carmelo, c'était avec New York. C'est mon année rookie. C'est ton année rookie, absolument. Qui est le meilleur marqueur NBA ? Dwayne Wade, une saison à 30 et quelques, c'est ça. Deuxième MVP. Bravo. Tout à fait. On enchaîne avec une autre question. Tu as joué avec ce joueur ? Quelle a été la fac d'André Miller ? Utah. Bravo, Nico. Ça fait donc 2, parce qu'on est sympa. Autre question. Ouais. En ce moment même, on va aller chez Erwan. En ce moment même, qui porte le numéro 26 des New York Knicks ? Mitchell. Non, Mitchell Robinson. Mitchell Robinson, ça fait 3 sur 3. Mitchell Robinson ? C'est ça, ouais. Ça fait 3 sur 3 pour toi, Nico. Parce que quand tu m'as dit Mitchell, j'ai cru que c'était Eddie Mitchell, moi. Donc, c'était pas. Non. C'est évidemment une blague pour Polo. Hein. Bah, tout à fait. Hein. Polo dans ce moment-là. On va parler d'un ancien joueur, champion, qui est devenu coach et qui a joué dans plusieurs équipes en NBA. Il va falloir que tu m'en cites au moins la moitié. Il a joué dans 7 franchises. J'aimerais que tu me cites 4 équipes et je parle d'un joueur, un meneur de jeu, Brian Shaw. Est-ce que tu es capable de me citer 4 équipes par lesquelles il est passé? Il a joué à Orlando, il a joué à Boston, il a joué aux Lakers. Ça fait donc 3, les 3 plus évidents. Il a coaché à Denver, mais il n'a pas joué. Ça ne compte pas. Alors Denver n'est pas d'accord avec cette version, il n'a pas coaché à Denver. Il a essayé, mais il n'a pas réussi. Salaud. Il a fait Boston, il a été Orlando, il a été aux Lakers, il a été où après ? Il a fait 7 équipes. Ouais, c'est dur les mercenaires comme ça. Je ne te cache pas que les 4 équipes, on a eu, en le faisant, on a eu un peu de mal. Ouais. Parce que ces 3-là sont évidentes, mais alors les autres ? Où est-ce que j'ai pu le voir, lui ? Il n'a pas été à Miami ? Miami ? Non. Il a joué à Miami, non ?
Il a joué à Miami, non. Moi, je l'ai pas. Enfin, en tout cas, je l'ai pas marqué. Je me suis peut-être trompé. Je vais regarder en même temps, c'est pas grave. Notre ami. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Miami. Parce qu'en fait, je viens de voir que j'avais noté 6 équipes. Mais je le vois à Miami, moi. Tu le vois à Miami? Je regarde. Vérifie. Attends. Aha. Monsieur Brian Shaw a donc joué. Je le vois à Miami. A donc joué Boston Celtics pour les 3 premières années avec un passage en Italie. Il a joué effectivement 3 années du côté de Miami jusqu'en 1994. Voilà, j'ai vu à Miami. Et donc tu l'as vu à Miami, tu as trouvé Miami. Il a ensuite joué 3 ans au Magic où il fera les finales. Il finira aux Lakers, mais il jouera aussi une saison aux Warriors, à Philadelphie et à Portland. Brian Shaw à Philadelphie, je n'ai jamais vu. Jamais vu. Warriors, je l'avais aussi. Warriors, c'était mon prochain. Je vois aux Warriors. Et ben bravo, pour l'instant, tu es sur un 100%, Nico. On vous a dit qu'il était fort. Hein. Ouais. Il est fort. Dernière question. Tu as été drafté en 2008. Est-ce que tu as l'ordre exact de ta draft? Les 24 avant moi. Est-ce que tu les as en tête? Je ne te demande pas de me les sortir. Oui. Alors, je ne veux pas les 24. Oui, par contre, est-ce que tu es capable de me donner le nom du joueur qui a été sélectionné à la 14e position en 2008? Anthony Randolph. Oh, il est trop fort. Oh, putain. T'es trop fort, Nico, c'est chiant. T'es trop fort. Je te fais les 24 dans l'or, si tu veux. Bah, écoute, si tu veux, on peut les faire. Oui. Il nous reste combien de temps? On a largement le temps. On est là pour prendre du plaisir. Alors, écoute, je reprends ta draft et on va voir ensemble si tu es capable de me sortir les 24 joueurs qui ont été draftés avant toi en 2008. Et leur, fac. Non. Allez, vas-y. Leur fac, ça va être chaud. Derrick Rose de Memphis. Beasley, Kansas State. O.J. Mayo, USC. Westbrook, UCLA. Kevin Love, UCLA. Gallo, Milan. Eric Gordon, Indiana. Joe Alexander, c'est Virginia State, un truc comme West Virginia. Non, tout l'accord, évidemment. 9 Augustine, Texas. Brooke Lopez, Stanford. Jared Bayless, Arizona. Thompson, c'est une petite fac, je ne l'ai plus. Jason Thompson, c'était. C'est une petite fac. Il était à Ryder Bronx. Ouais. Je ne l'ai jamais entendu parler. Hein. Roche, Kansas. Randolph, LSU. Lopez, Stanford. 16, c'est Space, c'est Florida. Ouais, bravo. 17, c'est Roy Hibbert, Georgetown. 18, Javel McGee, c'est Nevada. Bravo. Incroyable. 19, c'est J.J. Jackson. J.J. Jackson, il était à Carolina State. Ah oui, North Carolina State, ouais. Bravo. 20e. 20, Ren Anderson. Faux. Je sais plus où il était, Ren Anderson. Faux. Non, 20, c'est 20, 20, 20, 20. Je suis à combien, là? T'es au 20e. 19. 20, t'es au 20e. Non, en 20. Attends. Qui est 20e? En 21, c'est Alexis. Non. Alexis, c'est 21. Alexis, 20. Et Ren Anderson, Alexis, 21. 20. Et Ren Anderson 21, Alexis. Donc tu l'avais quand même. Ça, hein. Il sortait de Toulon, Ren Anderson 21. 22, parce que 23, 22, c'est pas Koufos. Non, 23 Koufos. Donc 22, 24, c'est Serge. Ouais, Serge Ibaka. 25, Nicolas Batum. Et alors, qui est ce numéro 22, 22 c'est moi. Et merde. Qui joue toujours en NBA. Et qui a joué des finales NBA, un arrière. Court Nelly. Alors là, bravo Nico, honnêtement, Orlando. Dans l'ordre, Courtney, avec les facs. Il va Orlando. Ouais, bravo Orlando, Nico, incroyable. Donc, on peut être joueur de basket et avoir une demande d'éléphant, donc. Koufos, Ohio State. C'est ça. Et Serge, c'était une journée en Espagne. Tout à fait. Incroyable, Nico. Ouais. Nico, avant Nico et Giorgio, j'ai envie de vous poser la question. Vous avez pu jouer au jeu un petit peu pour avoir vos impressions? Un peu, moi. J'ai joué ce matin, ouais. Ouais, moi aussi j'ai joué carrément. J'ai créé mon joueur là. J'ai créé un ailier fort. 2m03, tu vois. Genre une sorte de monstre. Tu te rappelles Thomas, mon joueur sur le Touquet 20, gros? C'était incroyable. Je suis en train de refaire le même là sur le 21. Giorgio, par contre, t'es censé sortir un album dans pas longtemps. Il serait temps d'arrêter de jouer à la play et de te mettre un peu au travail, mon ami. Hein. Mais en vrai, tu sais quoi? Moi, je kiffe grave jouer à la play quand je sors du studio et que je me suis trop pris la tête, que j'ai trop réfléchi sur de la musique, etc. Gros, j'allume ma play, je pense à rien pendant une heure, deux heures, au calme. Ça se tient. Bravo en tout cas, Giorgio. Merci. Merci beaucoup. Nico, tu nous as dit que tu avais joué ce matin. Et alors, tu en as pensé quoi, du coup?
J'ai bien aimé, moi. J'ai bien aimé. C'est vrai que, bah, son, Touquet, ils font taf. Hein. Ils font taf depuis un moment, donc je suis content parce que j'ai une bonne note. Je suis à 83. Laisse-moi kiffer. Donc il n'y aura dans pas de tweet assassin sur. Comment il s'appelle Ronnie Touquet. Ronnie Touquet. Je suis à 83 dans l'équipe classique des Blazers en 2010. Ah, c'est bon ça. Pas mal. La celle de maintenant, j'en sais rien, doit être à 70, hein, comme ça. donc j'ai me basé sur la celle de 83. Eh ben parfait. Merci beaucoup les gars, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci plaisir. À vous. On vous retrouve en ligne pour Giorgio et bientôt sur les terrains pour Nico, même si c'est pour la saison prochaine en NBA, une saison qui reprendra peut-être un jour, hein, on n'y est pas encore. Un de ces jours. Un de ces jours, mmh. Un de ces quatre. Ouais. Giorgio, basket mmh. bientôt. Mmh. Moi j'étais là mercredi c'est les vrai, gars, vous annulez votre travail. Attends, on est mercredi en fait. On a des grosses journées. On a des grosses journées. Ouais, c'est ce matin normalement. Ah ouais, on a trop de travail, je te jure. Mais c'est pas grave, la semaine prochaine on se retrouve pour jouer. Normal les gars. Et puis Nico, on se retrouve dès la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube pour parler de basket. Un grand plaisir. Salut les mecs, merci. Merci. Les gars, c'est un plaisir. Salut. Ciao l'équipe. Ciao. Allez, on va reprendre le cours de la soirée puisqu'il y a des gens qui veulent se défier quand même. Hein. Oui. On n'oublie pas que Braque attend Kevin le rire jaune de pied ferme pour prendre une revanche. Et en même temps, Kevin le rire jaune attend Braque pour prendre une revanche aussi de pied ferme. Absolument. Parce que malheur aux vaincus puisqu'ils ont un bilan catastrophique de zéro victoire. Ils sont pour deux défaites. Donc ça, on imagine que pour l'un comme pour l'autre, c'est inimaginable. Et tu sais ce que j'ai envie de te dire, Erwan ? Vas-y. Allons-y tout de suite avec Très un bien. Jingle. Avec un jingle. Il faut. Allez, voilà, ils sont en place pour cette finale, les gars. Je suis désolé, ça s'appelle comme ça, finale des perdants. Mais en tout cas, malheur au vaincu. Voilà, on va dire ça. Alors là, on est allé sur des Brooklyn Nets, pardon, avec Kyrie Irving, Meneur, Spencer Dinwiddie, LeVert, Durant, Allen. Et de l'autre côté, on a pris les Lakers. Trois matchs avec les Lakers. Mais à chaque fois, on a la chance de voir soit LeBron, soit Kobe. Nous, ça nous va. Tant qu'à faire, on veut voir des superstars. Ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi il m'a défié en live tout à l'heure. Parce que c'est vraiment la première fois que je rencontre cet individu. Et en live, il dit « Ouais, Kevin, je vais te défoncer. » C'est ce que tu crois. On s'est déjà rencontré, mais... Okay. Mais j'avais un masque. Mais t'as oublié. Racontez-nous, parce que j'ai pas compris. Un antécédent, il se passe quoi ? Je suis pas au courant, je suis... Non, on s'était déjà rencontré. C'était au Grand Rex, mais bon, il a oublié, c'est pas grave. Donc le mec a joué devant 2000 personnes et en plus il a oublié. Bravo, ouais, Kevin. Oui. C'était sur quel jeu? Sur Touquet? Non, c'était sur un autre jeu. Je sais pas si j'ai le droit de le citer. J'ai envie de. Voilà. Ben, non, on va éviter tranquille. J'ai pas envie d'avoir de problème. C'était donc une super soirée. Merci à tous. Voilà. Bon, en tout cas, il a pris les Lakers, notre ami. C'est Braque, hein? Toi qui as les Lakers? Non, c'est Kevin. Ah, Kevin a pris les Lakers, oui, évidemment. Évidemment, et donc tu pars sur un Brooklyn Nets de Kyrie Irving et Kevin Durant. Je suis sûr que c'est sous les conseils de Brocky, hein, qui veut toujours prendre les Nets, enfin, qui veut toujours prendre l'équipe de Kyrie. Kyrie, surtout. Voilà, absolument. Est-ce qu'il est capable de le faire, Erwan Braque? Capable de gagner? Écoute, maintenant qu'il a un peu pris, je pense, la mesure de la manette, parce qu'on s'est quand même rendu compte que sur la première mi-temps, il n'avait pas du tout la manette en main, donc là, à voir. Je vais quand même aller sur un avantage à Kevin au rire jaune. D'accord. De toute façon, il y a une cote à 1-0-0-1 côté Kevin. Hein. le niveau affiché par Braque au premier match. Ah, vous êtes comme ça, vous? Ah, écoute, il y a des gens qui nous regardent, on prend pas de risque. Non, c'est pas cool, ça. Ah, c'est pas cool. Oh là là, je crois qu'il faut aller sur... Twitter maintenant tout de suite. Sur le stream. Ouais, sur le stream, le Twitter de le stream avec du RT follow, avec 4 jeux mis à dispo du chat. Donc n'hésitez pas à aller jouer. Et puis il y aura un dernier concours avec le maillot de Kobe à gagner, c'est dans quelques minutes. Mais pour l'instant, 4 jeux édition Mamba Forever à gagner sur PS4. Donc ça se passe sur Twitter, les gars. Ah bon ? Il y a un maillot à gagner du coup, un autre ? Ah, il y a un maillot Damien Lillard à gagner, tu te fiches de moi? Tu nous le dis comme ça? Il y a un maillot Damien Lillard à gagner? Apparemment. Mais c'est 10 fois mieux qu'un jeu, non? Ah, ça dépend ce que tu cherches dans la vie. Hein. Bah, je cherchais justement un nouveau pyjama. Et les maillots de basket s'y est parfaitement pendant les nuits. Donc un maillot à gagner de Damien Lillard qui est sur la jaquette d'NBA 2K21. Donc ça se passe sur Twitter, sur le Twitter de le stream.
Kevin, est-ce que tu as plus de sensas avec ces Lakers qu'avec Timo Ussé tout à l'heure? En fait, comme il y a des joueurs qui sont moins bons, j'ai moins tendance à tirer n'importe comment, tu vois. Je fais plus attention à ce que j'essaie de construire quelque chose, tu vois. De cohérent. Mais c'est vrai que jouer avec les équipes all-time ou les Team USA, ça peut justement, ce que tu viens de dire, un peu dire on joue un peu n'importe comment parce que chaque joueur est trop fort. Exactement. Il n'y a pas de hiérarchie. Et toi, Braque, avec les Nets, tu te sens mieux que tout à l'heure avec les Lakers? Un peu mieux, mais c'est surtout avec la manette que je me sens mieux. Surtout. C'est le principal. Ouais. Non, ça a l'air fort, les Nets. Et puis, il y a un joueur que j'aime beaucoup, Kevin Durant. Donc, j'ai peut-être un peu plus de sensations. Ah, il se balade un peu, là. Eh ben, c'est une bonne défense. Allez, 2 secondes, faut tirer. Et là, il va provoquer la faute, bien joué. Il arrive à choper la faute. Pas bravo les arbitres. Ouais. Pas bravo la défense. Hein. 6-4. C'est un match super serré, les mecs. Ouais, oui, match défensif pour l'instant. Oh, c'est quoi ça? Ah, Rondo. C'est Rondo. Ah, bah voilà, regarde un peu. Voilà, Timothée, qui a été très bon dans la bulle à Orlando. Oh. Qui était fantastique, ouais. Ça doit être tellement lourd d'avoir son propre joueur dans un jeu vidéo, quand même. Parmi les petits kiffs de la vie, ça va être vraiment très sympa. Ça. Bah moi, l'année où j'y étais, j'avais kiffé. Hein. J'entends des rires de fond. C'est Broken. Je t'entends du Brocky. Brocky Brox. Brocky, je t'entends du. Hein. Faut tirer 3 secondes. Et au buzzer, et ça nous donne un match serré. Bah si, match serré. Alors, vous ne confondez pas, c'est pas un jeu de rugby, mais il y a bien 6 à 6. 6 partout, Lakers. Nets. Bah alors Kevin. Non mais on a un match, on veut un match serré, on veut un money time. C'est vrai. Le premier carton, il est là pour étudier l'adversaire. Et le deuxième carton, c'est pour prendre l'ascendant psychologique. Pardon ? Hein ? Vous lui dites que j'ai déjà gagné des compétitions de jeux vidéo ? Mais en fait, il ne se souvient pas de toi, donc quoi qu'on dise, ça n'intéresse pas. En fait, c'était sa première stratégie, de te dire qu'il ne se souvenait pas de toi. C'est vrai. Attaque psychologique, je peux comprendre. Ça, là, faut prendre un tir plutôt ouvert. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est bon, vu que c'est en pro là. Yep. C'est resté en pro ou c'est Kevin qui m'a invité, donc on sait pas. Okay. C'est en pro. Ok. Merde, qu'est-ce que je fais? Oh là! Ah, j'ai été nul. Incroyable. J'ai été très nul. Prendre des tirs comme ça avec DeAndre Jordan, c'est pas cadeau. Hein. Oh, oh oui! Oh, bon. Superbe, magnifique. Il est bien joué. Un peu de spectacle. Shooter 1, le 12, Braque. Ok. Shooter exclusif d'ailleurs. Hein. Ouais. Oh, Timothée. Terrence Prince. Oh, c'est dur ça. C'est dommage. Ouais, c'était dur ça. Bah, j'ai pas trouvé l'ouverture. Non, non, c'est vrai. Il a bien défendu et ça donnait un petit ballon de allez, c'est pas lui qui faisait la passe. À gauche. Ah, boum, boum, boum. Oh non. Ah. Quand ça court comme ça, Braque, faut que t'ailles chercher vraiment le 12. D'accord. À 3 points, bim. Ou Kyrie, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, ou Kyrie. Kyrie à 3 points, c'est même très bien. Ouais. Hey, Timothée qui défend, qui se fait passer par KCP. Allez, un match-up. On fait des passes. 3 secondes, ça tire. C'est tout rapide. Ça pour ça. De la relance. Bien joué, ça au bout. Mais non. Ah, dur. Et tout seul. Mon timing. Oh, bravo. Merci. Une belle claquette de Torrent Prince pour revenir. Ça fait 8-8. 8-8. C'est le match le plus serré que j'ai eu à jouer de ma vie. C'est vrai. Ah. C'est le temps des pom-pom. N'hésitez pas à appuyer, les gars. Ouais. J'appuie, hein. Ah. J'ai mis 13 et LeBron qui revient. Le retour de Brown. J'aime pas ce que je vois, là. Brown. Non. Brown. Pas de faute. On suit les gars, on suit. Bien joué. Un beau tir ouvert. C'est bien ça. Dedans. Danny Green ouvert comme ça, parfait. T'es tout seul. Fallait pas hésiter là. Oh, bien joué. Pas mal.
Mais c'est pas possible, je mets pas un seul 3 points, ça me fatigue. Vous avez vu, première petite râle, on sent que le mental commence à flancher. Le fameux deuxième carton. Il y a que 3 points d'avance, hein, cousin. Tranquille. Attends. Ça sent la revanche au parking, ça, quand même. Broky, c'est le Joker. Ah ouais. Rien qui rigole. Ah non. Oh, c'est dur, hein. Non, mais c'est Broken qui m'a déconcentré. Il a un rire en décalé, ça me termine. Ah, je suis mort. Vous pouvez vous donner rendez-vous à Webedia, les mecs, si vous voulez faire une prolongation. Je vous laisse mon badge et puis vous démerdez, hein. Allez, un dernier. Ah, c'est un bon dire, ça. Ça, c'est un bon dire, c'est pas payé. C'est pas payé. 8 à 13. Là, c'est big, 27%, c'est compliqué, hein. Ah, ouais. Ah, c'est compliqué de gagner un match avec 20 points. Un panier, ouais, c'est, ouais. Dur, hein, c'est dur. Bon, là, au basket, il faut mettre un minimum de panton quand même. Hein. sinon, même sur les bons défenseurs. Non, mais je vais rentrer chez moi. Faut quand même mettre le ballon dans le cercle, sinon c'est compliqué. Il paraît même que c'est le but du jeu. Hein. Ouais, pas que moi. Selon un certain. Ah, en fait, vous avez décidé de me faire, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Non, bah, les jamais, gars, jamais. Assumez, hein. Non, mais tranquille. Allez. Avec. Il est pas blessé là. Non. Ah, je suis en train de faire ses lacets. Après, je veux pas dire, mais il y a que 5 points, ça va vite. Non, mais t'es dans le match complètement. Ah oui. Je serais juste inspiré de mettre plus de 2 points que. Tu vois, t'as mis 2 points dans le deuxième quart temps, ça va être compliqué quoi. Tu fais pas un peu mieux. Ah. Oui. Bien joué. Bah oui. Il a failli l'attraper. Ah oui. Mais ça, c'est bien joué, tu vois. Un petit panier facile comme ça pour te redonner confiance. Gratuit. Bah, c'est bien défendu, ça. C'était un jeu bien joué. Pour faire ça, c'est double triangle. Hein. Braque. Ouais. Les passes, après, les passes pas follement, mais. Oh, il a dit ton équipe elle a l'air perdue. Il l'a dit en anglais. Qui a dit ça? Ah, le commentateur, je l'ai pas dans les oreilles, moi. Je l'ai pas. Bah, je l'ai entendu et j'aurais pas kiffé ce qu'il a dit, toi. Bah, heureusement que je l'ai pas entendu alors, hein, parce que je cassais la play. Là. Ah là. LeBron, quand il passe l'épaule, il n'y a plus rien à faire. Hein. C'est vrai que la régie m'a enlevé le son du jeu dans le casque. Ah, mais c'est pour ça. Donc. Je sais pas si ça a été fait exprès. Tous les éléments sont contre toi aujourd'hui. Hein. Bah ouais, je vois ça. Hein. C'est un vrai complot. Complètement. Non. Bah oui, Henri, bah oui. Kevin. Mais non, il n'y a rien là. On l'a toujours pas vu en IRL, hein, Kevin Durant quand même. Hein. Sur un parquet avec le maillot des Nets. Hein. C'est vrai. Et si on le voit, ce sera en février, quoi. Donc il n'aura pas joué au basket pendant presque 2 ans. C'est quand même incroyable, hein. C'est ça, les gars, faut... 2 ans, quoi, enfin... Ouais, plus d'un an et demi, en tout cas, ouais. Ouais. Ça fait février 2021, il s'est pété en juin 2019. Ça fera, si ça reprend en février, admettons, ça fera, oui, effectivement, 1 an et 8 mois... Sans jouer au basket officiellement, c'est pas sûr que ce soit arrivé souvent pour un... C'est une blessure, quoi, c'est une retraite. Ouais, c'est clair. Même Jojo, il est pas parti plus longtemps. 5 points, hein. Toujours. Ouais, t'es encore dans le match. Faut faire des stops, faut aller enchaîner quelques paniers. Mais rien n'est perdu. Bonne défense. Ouais. Y'a pas faute, là. Allez, faut courir, tu l'as vu. Allez, au bout. Oh, c'est dur. Oh. Ah, mais j'ai pas ce timing là pour enchaîner quand je pars comme ça vite. Et quand t'arrives lancé, n'hésite pas jusqu'au bout du panier. Hein. Ouais, vas-y. Okay. T'appuies sur R2, non. Cours et t'appuies sur carré en même temps. Okay. Ça va te faire dunker. Oh, ah, il est beau celui-là, il est beau. Ouais. Bravo. Celui-là, il fait mal, le tir de Kyle Kuzma. De nouveau 8 points. Bien, quoi, bien provoqué. C'est pas fini, hein. Non, c'est un Français là qui tire. Non. Ah. Bravo, Timothée. Très bien.
from the line a season ago. The Nets making a switch here. Je sais pas pourquoi je me sens à portée, je sens que je peux le faire, mais il me manque un petit quelque chose, tu vois, je sais pas quoi. Un chou d'adresse. C'est ça. C'est l'adresse au basket, c'est bête, mais ça change c'est, tout. Hein. C'est la base, en fait. Ça change tout. Hein. Ouais. C'est bien joué. Il maîtrise bien, ça. Un dribble pas trop, dribble pas trop. Ouais, bingo. Ça, allez. C'est filoche, ça. Ah, c'est pas possible, je mets pas un 3 points, je mets pas un 3 points. Tire. Ah, pas payé. Encore, tire. C'est ce que je veux faire, hein. C'est ce que je veux faire. Ça arrive. Allez, 24-16. 3 minutes, dernier carton. Oui, Kevin, si tu m'entends, non, je suis là pour te battre, nanana. Attends, bouge pas. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Là, j'ai un avantage de 8 points assez tranquille. Je vais faire que épuiser l'horloge des 24 secondes pendant tout le reste du match parce qu'il n'y a que 3 minutes de jeu. Bah, marrant, quoi. C'est voilà, belle promotion du jeu. Écoute, regarde, donne-moi la balle. Rien de donné du tout. On appelle ça un caténatch, même en basket. Ah bah voilà, c'est pas ça, on aime ça. Il est où Kevin là maintenant là? Il est où là? Il est en avance de 5 points au calme. Il va se mettre là, il va se mettre dos à toi. Il va attendre au calme. C'est quoi, tu joues à chat là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Attends, t'es à 5 points, t'es pas obligé de faire faute. Non, je fais pas. Mais va fais pas prise à 4 sur lui non plus. Non. Allez, ouais. Oula. Voilà, attaque au vœu plonge. Ah, dommage. Non, mais là, c'est pas... Ah, il redonne 23. Eh oui. Oh, non. C'est décalculé. Comment ça? C'est quoi cette carotte? C'est une attaque de 40 secondes. Oh non. Ça prend un tir, bravo. Et c'est ce qu'on appelle de l'anti-jeu. C'est un coach yougoslave ou quoi? Par contre, tu vas arrêter là. Non mais c'est honteux ce que t'es en train de faire. C'est honteux. Eh mais panique pas, je te jure, laisse-le. Non, je panique pas. Regarde. Rebond. Il a le rebond, il a tout. Non mais faut arrêter là. En fait, t'as fait une attaque depuis une minute, t'as fait une attaque, c'est compliqué. Ah non mais là, c'est 3 secondes. C'est de l'abus. Oh. Mais en plus, une minute d'attaque. Mais franchement, mais sur le premier carton, son pourcentage de shoot, il était tout pourri, franchement. Comment il peut mettre tout d'un coup là maintenant? C'est le clutch. C'est le mental. Oh là là. Vas-y, avec lui là. Allez. C'est dur ça. Oh là là. Ça rentre. Allez, faut faire un stop là. Faut plus que t'encaisses de panier. Allez. Fais pas de faute trop haut. Non. Ah ouais, le cast est clairement pas pour moi en fait. Ah gros, tu nous proposes un match de dimanche matin à jouer en 35 secondes d'attaque, on va pas non plus te donner du crédit. C'est une fraude. Regardez, allez, rebond. Mais regardez son shoot. Rebond. Allez, balle à toi. Allez. T'as 5 points, faut que tu marques tu vas avoir deux potions, faut que tu marques deux fois. Ouais. N'hésite pas à donner la balle à Kevin Durant ou Kyrie Irving, voilà. Oh là. Oula. Oh oui. Oh dur. Pas lui. Non, pas lui. Oh. We got this. Après, bon. We got this. Quel choix. Fake dribble shoot avec Jarrett Allen, bon. Incroyable tir. Bah t'es béni des dieux, hein. C'est pas possible, franchement. Mais lâche ta balle, qu'est-ce que tu fais? C'est une tactique qui marche en tout cas. Incroyable. Il va se passer un truc. L'histoire du Allez, sport. Allez, faut que tu prennes le tir à 3 points rapide là. Encore lui. Oh non. Oui. C'est bingo. Oui. KD. Mais non, KD. Voilà, par contre. Aïe. Mais non, par contre. Les mouches ont changé d'âne, comme on dit au rugby. Ah là. Non, je l'ai même pas touché. Ah. Bon, en tout cas, il y a une vraie progression. Sur ce deuxième match, t'as pris des meilleures sensations. Bah, à partir du moment où on me dit clairement les bonnes touches et tout ce qu'il faut faire, moi, tu sais, après, je m'adapte en fait. Moi, je suis un soldat, hein, tu sais.
j'y vais, tu me dis ce qu'il faut faire et je le fais quoi. Et si je sais pas ce qu'il faut faire, bah je fais de la merde en général. Mais bon, je pense que sur NBA 2K22, je serais pas trop mal. Non mais je compte d'y mettre vraiment là. Là vraiment cette année je vais vraiment me mettre sérieusement sur le 2K21. Et ça devrait le faire. Ça devrait le faire. C'est dommage. Toi Kevin, tu joues beaucoup toi à 2K? Bah la dernière fois que j'ai joué c'était contre Brocky. C'était l'an dernier. Ici là, ici même. Ouais, c'était l'an dernier quoi. Donc tu joues pas beaucoup? Non en fait j'ai joué au lycée, donc je connais les touches tu vois. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas saigné le jeu tu vois. Mais là celui-là il est bien. Ça se voyait, t'inquiète. Hein. Allez, dernière possession. C'est Kevin Le Rire Jaune qui va s'imposer. Bravo les gars, ça a été un match serré, c'était très sympa à regarder. Ouais, bah ouais. Et bravo à Kevin Le Rire Jaune. Bravo à toi Brack. Merci beaucoup. Pour ce match-là. Je pense qu'on a offert le plus beau match de la soirée. Ah, pour clairement, pour l'instant. Ouais. Oui, clairement. On n'oublie pas que vous avez joué les deux premiers catastrophiques aussi. Hein. Ah bah, ça, oui. c'est clair. Bah voilà, on va pouvoir aller sur notre grande finale. Ouais, je crois, on va faire la finale. On a évidemment préparé un super quiz avec des photos qui vont vous permettre de vous départager sur un petit quiz, mais c'est pas tout de suite. Alors, je vais en profiter juste pour que la régie me dise, est-ce qu'on a le temps de faire les deux matchs qui restent ou on fait juste la finale et le quiz? C'est quoi les deux matchs qui restent? Alors là, il reste la finale, donc entre Bruce et Brocky. Ensuite, on a un quiz très sympa à faire. Vous allez voir, ça va te plaire, toi. C'est sûr, Kevin. Et puis derrière, il y aura un 2 contre 2 pour finir. Oh. C'est voilà. C'est la cool. C'est la cool. Et d'ailleurs, je pense que tu vas jouer avec Brack, je pense. Et normalement... Comment bien finir sa soirée? Normalement, tu fais 1-4 contre 2-3. Mais normalement, on fait ce qu'on veut quand on présente l'émission. Et donc, tu joueras avec le joueur, le joueur drafté et je vais drafter Brack. Comme ça, histoire de nouer une nouvelle amitié. Eh, montre pas trop ta déception. Hein, la montre pas. Non, on verra plutôt si on veut s'offrir un match cool, un peu serré. Peut-être qu'effectivement, on pourra changer d'équipe. On verra. Mais avant ça, on va assister quand même à la grande finale entre Broken et Bruce. Broken est favori, mais je sais que Bruce est un homme de challenge. Ouais. Et qu'il va pas se laisser faire comme ça. Ouais, on va pas se laisser les faire. Les Celtics d'un côté, les Nets de l'autre. Donc Broken va sur du Kyrie Irving. Non, il m'a volé mon équipe. Ah tu vois, ça a commencé comme ça déjà. Il m'a counter, mais ça, bah, pas, les Celtics, c'est ma deuxième équipe. Bon, bah ça va. Et bah, écoute, très bien. On est en pro là ou pas, du coup, juste pour savoir sur les tirs et tout? C'est toi qui as fait la règle. Ah, moi, c'est pas moi qui ai invité, je t'ai rejoint. Non, c'est moi, je t'ai rejoint. Mais à mon avis, on doit être en pro. Ouais, mais je pense en pro, ouais. Ok. Bon, on verra bien. Si t'as pas touché, c'est en pro. Normalement, c'est en pro. Moi, j'ai rien touché. C'est en pro, alors. De toute façon, je crois qu'on peut voir maintenant, attends. Eh ben, écoute, très bien. En plus, ça va se passer sur le parquet des Nets. Hein. Il rend pas ou fin le parquet des Nets? Ouais, non. C'est vrai qu'il y a... Parce qu'on jouait sur un parking, hein, mais bon. Moi, je préfère le quand c'était en blanc. Mais bon, c'est un autre débat, c'est pas grave. Allez, une belle finale à vous deux, les gars. Et puis, que le meilleur gagne, en espérant avoir un match serré, s'il vous plaît. Ah, vas-y, doucement, s'il te plaît, ne m'affiche pas. T'inquiète. Alors, j'ai plus le son du jeu. Je sais pas si c'est possible de l'avoir. Ça me perturbe un tout petit peu. Oh! Alors ça, tu n'as pas le droit, Kevin, hein, d'essayer de contrer dans le cercle. Ben ouais, c'est Bruce qui a essayé de contrer dans le cercle. Ouais, c'est moi. Mais non, mais je disais Kevin Durant. Hein. Ah, ok. Après, si vous appelez tous Kevin, les gars, au bout d'un moment, je peux plus rien faire. Tu vois, voilà, Kevin. C'est un peu osé quand on s'appelle Thomas, quoi. Je ne suis le seul en France, hein, tu sais, qui porte ce prénom. Kemba Walker et Kyrie Irving, hein. Même profil. Ah là là, il va être dur à attraper. Ah oui, je confirme. Hein. Ah. On va faire des petits dribbles et à courir partout là. Ça va être compliqué. T'inquiète pas, le tien aussi, il est dur à attraper. Ouais, mais vu que tu maîtrises plus, c'est chaud. Là, je vois quand tu pars comme ça, j'ai du mal à t'arrêter déjà. Il y a un bon duel là. Hein. KG Tatum là, c'est pas mal. Hein. Ouais. Il est vraiment fort. Non, entre deux, comment ça? Ah, c'est Jalen Brown, j'ai cru que c'était Kemba Walker. My bad. Allez, Jalen. Vous en pensez quoi de Jalen Brown cette saison, Tomé Arwen? Très bien. Franchement, vrai, il continue de progresser fort. Moi, je trouve que on s'est souvent posé la question avec Tatum, qui était le plus fort, qui était le plus si. Je trouve qu'il va. J'arrive pas à suivre. Je trouve qu'il fait un duo vraiment parfait avec Tatum. Les deux sont très complémentaires. Et lui, il est capable d'aller se sacrifier défensivement, quitte à y laisser des plumes et mettre un peu moins de points. D'ailleurs, on le voit sur Siakam dans la série là. Mais il est vraiment capable de grosses missions défensives. Et du coup, ben, c'est pas Tatum qui le fait.
Et Tatum, du coup, il peut s'occuper un peu plus de l'attaque, même si l'autre, il est capable de marquer des 30 pions. Non, non, je trouve que cette année, vraiment, il fait kiffer. Un vrai two-way player, complet en attaque. Allez, super, super joueur. Ah, moi aussi, il fait kiffer. Hein. Il a un vrai dribble, il a son petit go-to-move avec son petit cross, là, qui part de droite à gauche. Non, non, il est... Puis j'aime bien le personnage aussi, quoi. Ouais, il parle pas. Non, très peu, puis... Puis là, tu sais, dans tous les problèmes qu'il y a eu sur le mouvement Black Lives Matter, c'est tout, je l'ai trouvé très bien aussi, quoi. Il est jeune, hein. Ouais. En plus, il est jeune, il est... Non, non, franchement, il fait kiffer. Et dans le très bon environnement aussi. Ouais. Tant mieux pour Boston d'être allé chercher ce mec-là, mais c'est sûr que... On a quand même l'impression que c'est plus facile de s'exprimer à Boston qu'à New York, quoi. Oh, ça va. Ou à Sacramento. Ou à Sacramento, tout à fait. J'aime bien. Toujours une petite pensée pour nos amis des Kings. Ah, ça se tient. Oh, t'as... Oh, oh, JT. Putain. Plus 6 déjà pour Brocky. Clem. Il fait rien, KD. Il fait... Hop, bien joué, passez. Allez, s'il veut. Il fait ce qu'il veut. KD, respecte-le. Ce qu'il veut, en fait. Respecte-le. Non, mais attends, la finition, elle était folle. Par contre, j'ai du mal à te stopper. Et les rebonds, je les ai pas, donc c'est triste. Il y a un duel. Ah, il y a duel. Bruce, n'oublie pas que quand tu es en défense, tu peux appuyer sur L2, ça cadre un peu ton mec. Alors ça, ouais, ça fait pas tout. Hein. Il se baisse un petit peu, ouais, je vois de l'élire. En vrai, c'est presque les mêmes touches que ton jeu de prédilection. Ouais. Un peu différent quand même. Ah, c'est voilà, faut sport, des rebonds aussi. C'est ça aussi. Ouais. Oh là. Bingo. Oh là, grosse défense. Bien joué. Oh, non. 14-8. Pas mal ce premier carton. Ouais. Ouais, ça va être dur. Hein. Je pense franchement, que Bruce va se creuser. Hein. Bruce, il joue sérieusement à TK, il peut être fort. Hein. Je sais pas, il y a des petits trucs que tu maîtrises déjà où je vois, je peux pas te suivre. T'as le QI sportif. J'essaye, mais c'est pas évident. Ouais, comme Erwan disait tout à l'heure, tu sais à qui tu dois donner la balle, etc. Ouais, bon, j'essaye, hein. Mais putain, t'es chaud. Ah, moi, je suis un squatter, moi. Il est le gars sûr, il est là. Qu'est-ce que tu me proposes là, JT? T'es pas déçu toi du coup, Broken, que Curry soit pas resté à Boston avec Jason Tatum? Je suis heureux qu'il les ait laissés tranquilles. Ah. Je crois qu'eux aussi ils sont heureux qu'il les ait laissés tranquilles. Ah ouais, moi, dans cette affaire, moi j'étais contre Curry. Bah, comme il a l'air dur à gérer lui quand même. Hein. Curry? Ouais. Bah en fait, ce qui est bien avec lui, ça, ce qui fait sa spécificité, c'est que c'est un créateur de tir. Non, c'est un tueur, mais je parle dans le sens mentalement, tu vois. Ah, oui, c'est que... Déjà, il croit que la Terre est plate. Ouais. Arrêtez de parler. Effectivement, ça n'a jamais présagé de bonnes choses, ça. Hein. Dès le moment où il a dit ça, il faut lui dire, vas-y, continue à crosser les gens et tais-toi. Ah. Ouais, non, c'est mentalement, il a du mal. Ouais. Il y a même eu des rumeurs sur une maladie mentale et tout. Bien joué, ça. Mais je pense qu'il est vraiment... il a un problème mental, il a un gros problème mental, hein, ce joueur. Ouais, peut-être qu'il est bipolaire, un truc comme ça, quoi. C'est vrai qu'il a tendance à dire tout et n'importe quoi, en fait, sans qu'on comprenne trop. Même tu regardes son comportement un peu sur Instagram et tout, il est un peu bizarre, tu sais, il est un peu dans... Tu sais, on dirait un peu qu'il est dans le style, tu sais, les trucs Illuminati et tout, tu regardes. C'est... Ah ouais. Puis le truc dans lequel il est fan, c'est des triangles, des trucs comme ça, c'est trop bizarre. Mais il me fascine. C'est ça que j'aime bien chez lui, c'est qu'il me fascine. Ouais, je vois ça. Toi aussi, tu aimes les triangles? Ouais, j'aime bien. Ah, j'arrive pas à te stopper, c'est horrible. Ah, au moins on prend les rebonds là. J'ai raté. Allez, faut aller. Allez, Timothée. Catch, bro. Smart. Oh, dur. Smart. Voilà. Ah, smart. Les gars, sur le terrain, il y a deux joueurs qui ont joué en France. Est-ce que vous pouvez me dire dans quelle ville? Il y a Timothée Louaou-Cabarrot qui a joué en France. Et il y a Brad Wanamaker qui a joué en France. Est-ce que vous savez dans quelle ville? Wanamaker, il a joué en France? Ouais. Mais quelle origine? Américain. Il a joué dans une grande ville de basket en France. Le Valois? Non, une grande ville. Chalon? Une grande ville, un grand club, il est en bas, quelque chose. Ah, une grande ville, ok. Avec une histoire de basket incroyable, certainement la plus grande ville de basket en France. Ah, il y a débat. Ouais, ben, celle qui a gagné le plus beau titre en tout cas. Ouais. J'ai trop envie d'avoir le débat en plus. Moi je donne mal. Kevin! Faut mettre le micro de Kevin? Est-ce que Kevin Tran a la réponse? Est-ce qu'on met le micro de Kevin? Est-ce que c'est Villeurbanne? Ah non! Villeurbanne n'a pas gagné la Grande Coupe d'Europe. Je l'ai tenté, Villeurbanne. Hein. C'est une autre équipe en vert. Ah, si, merde, putain. Merde, je l'ai.
Aïe, 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 aïe. Allez, je laisse tomber, c'est bon. Les gars, vous êtes sérieux? J'étais allé les voir en plus. Ah oui, c'est pas trop. C'est une vie dans la Vienne. Bilou? Non. J'ai pas entendu, il a dit Bilou. C'est une ville dans la Vienne. Dans l'ouest, l'ouest de la France. L'ouest, Strasbourg, les gars. Non. Une ville où il y a un public, une salle incroyable, très connue. La salle s'appelle Beaublanc. Ah ouais? Moi je connais rien. Moi, et le club s'appelle le CSP. Ok. Limoges. Ah oh, putain. CSP Limoges. Limoges. Ouais. Brad Wanamaker, donc aujourd'hui qui joue au Celtics, qui lui aussi joue un titre NBA. Bah, est passé par le CSP Limoges et en plus il a été nul à chier. Ça doit être l'air français hein, qui ne réussissent pas forcément aux Américains. Comme quoi, c'est après, bon, il est passé par la Turquie avant d'aller à NBA, mais bon. Et Timothée Loukobarot a été formé à Antibes. Ok. Autre grande ville du basket français. Il a du talent chez lui. Allez, au match, là, bon, il y a eu un vrai écart hein, quand même. Ouais, c'est dur. Si, j'arrive pas à l'arrêter. Mais tu t'accroches. Bah, je mets quelques paniers, mais j'arrive pas à le stopper. Donc, ça, 26 points à la mi-temps, voilà, c'est ça. C'est... Du coup, le problème, voilà. C'est que c'est difficile de défendre sur Tatum. Ouais, j'arrive qui pas à le défendre. Fait de gros écarts. Bien joué. Allez, faut marquer. Bien joué. Tu vois, ça c'est pas mal ça, de faire la petite fin. Tu sens les coups quoi. Ouais, mais c'est les petits. Tu vois, il a des petits gestes et tout. Quand il va aller au panier tout seul, il le fait trop facilement. Donc il doit me manquer quelques petits trucs défensivement et offensivement aussi. Déjà, les petits gestes et tout. Comme je disais, les dribbles. Lui, il arrive à se défaire trop facilement du marquage. Bah, allez, 9, 11 points d'écart. Kevin, réjeune, tiens-toi bien parce que le quiz d'après, je pense qu'il va te plaire. Hein. Ah, il va te régaler de fou. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Tout ce qu'on a. Oh, t'es relou. D'ailleurs, je t'attends sur la dernière image pour voir si tu l'as. Pour voir si tu appartiens à mon équipe ou si tu es juste l'équipe un peu à côté. Je comprends rien ce que tu dis, mais je suis chaud. T'inquiète pas, tu comprendras. Erwan, bien joué. Est-ce qu'on parle du fois en public, Erwan, est-ce qu'on parle de la fois où je t'ai battu au concours de 3 points à la Hoops? Ah quoi, ça va, tu vas bien. Je sais pas de quoi il parle. Coupez son micro. Une fois sur combien? Ah oui, la fois où t'as gagné. Et les fois où j'ai moins gagné, on en parle ou? Les fois où on n'a pas joué, on a fait qu'une fois. Oh non, faux. Non, on a fait qu'une fois. Concours de 3 points, on n'a fait qu'une fois. Très bien. Est-ce qu'on parle des fois où je défends sur toi et tu peux plus mettre le ballon par terre? Eh, hey, tu fais... Non, ça n'a rien à voir, cette théorie. Tu connais que 3m15. Non, cette théorie n'a rien à voir. Quand tu es à 2 mètres du panier, tu peux même plus mettre un ballon par terre. C'est juste que je défends bien. Non, mais je fais la passe à Thomas. Je fais juste la passe à Thomas. Très bien. Très bien, très bien. Ça marche toujours, ça, je te rassure. Mais par contre, c'est vrai qu'on l'a toujours dit, tu as une adresse naturelle. Oh, incroyable son adresse. Il est adroit. Un adroit naturel. Sauf quand je défends sur lui. D'ailleurs, on ne va plus là, à la Hoops. Ouais, je vais retourner, gars. Quel cross de Kemba Walker. Ah là 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 là. Ben, ça, ah, ouais, ça, c'est ouais. Ça que tu as envie de maîtriser. Ouais, exactement. Puis en plus, il est souvent dans le timing. Il est dans le timing vert. Il maîtrise aussi le timing. C'est chaud, il râle rien. C'est terrible. Braque, il me manque là. Mais bon, au moins quand tu perds contre quelqu'un qui est plus fort, tranquille, tu vois. C'est plus facile à accepter. Il maîtrise plus. C'est quand tu te fais voler que c'est dur. Comme là, le PSG contre tranquille. Le Bayern. C'est plus facile à accepter. Ah, je croyais que tu allais dire que c'était fait voler. Oh non, jamais. Ah, moi aussi, je croyais dire ça. Oh non, vu la frappe de vieille Camille Mbappé. Enfin bref, c'est un autre débat. Ah, come on, bro. Allez, faut courir. On court dans les ailes, on est passé là. Allez, vas-y. Okay. Bien, Timothée. On est fiers de Timothée Loukobarot comme si c'était un vrai match. Quand il met un panier. Allez, si vous voulez gagner, c'est la dernière fois de la soirée qu'on peut gagner le maillot. C'est lequel de maillot? C'est le maillot de Kobe. Kobe, celui-là. Le plus beau. Oh là là là. Alors ça se passe. Est-ce qu'on peut jouer nous sur Twitter, ça se passe sur Twitter, sur le compte du stream. Allez-y, c'est le maillot de Kobe, jaune numéro 8. Maillot magnifique des Lakers. Donc si vous voulez le gagner. Et on va le mettre à l'année, tiens, ils vont vous le montrer, comme ça. Ouh, ça va vous donner encore peut-être plus envie. Allez sur Twitter, ah ça c'est mon maillot. Oh là 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 là. Ça c'est mon maillot Kobe, début de carrière, il est incroyable. Michel Hennes édition, donc allez vite sur Twitter pour essayer de le gagner, sur le compte Le Stream. J'ai le droit de participer ou pas? Bah moi, moi je vais pas te mentir, j'ai tweeté, j'ai écouté. Hein. Et tente ta chance, hein, 100% des gagnants, tentez leur chance. Et si vous pouvez aller suivre Paul Harrer en même temps, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'ai follow Le Stream, j'ai follow Touquet, mais c'était déjà fait, j'ai retweeté, je tente ma chance. J'espère que c'est un faux tirage au sort. J'espère surtout que tu gagneras pas, quoi.
Parce que nous, on a maillot de Kobe, oh, dédicacé par le vrai Kobe. Allez, dernière possession de... Allez, quasi non, on va dire encore. 4 secondes d'écart. J'arrive pas à le stopper, ça me rend fou. Oh. Et alors, Grant Williams. Oh, puis il a le rebond. Oh, le gamin. Il a jamais mis un tir de sa life et tu lui fais penser, incroyable. Faut tirer. C'est dur. C'est dur, ça. Dommage. Oh ah. Too late. Allez, dernier carton, plus 21. Pour Broken, bon voilà, l'issue du match est déjà scellée, oui. Mais on est là pour se faire kiffer les gars. Toi Bruce, tu peux travailler Tetris. tu vas t'y mettre un petit peu. Franchement, je kiffe, ouais, ça me donne envie de m'y mettre. Et justement, quand je vois, quand tu joues un mec qui maîtrise plus, tu vois, toutes les petites subtilités et tout, tu vois, t'as envie d'apprendre, progresser. Mais pas qu'offensivement, même défensivement, parce que j'arrive pas à le stopper. Ça, c'était du passif agressif envers Bach. Hey, t'es encore là, toi? Je croyais qu'il était déjà parti. Oh purée. C'est dedans, ça. Ah là là. Tatum. C'est dur, ça. Oh, mais Tatum, il est trop fort, le mec. Oh là, ouais. Oh là là. Ah, comment, gourmand. Bien joué, un bon shoot, ça. Ouais, mais, ah si, ça. Ah, okay. Ce bon vieux Joe Harris. Et puis dès que j'appuie sur carré, que je veux tendre un peu. Mais Rich, en fait, c'est très compliqué, c'est ouais. de tout temps. Hein. Dès que tu fais carré, donc reach, ce qu'ils appellent là, c'est reaching, c'est faute directe. Mais vaut mieux servir des sticks et tout, je crois. Il y a des trucs à faire avec le stick droit pour tendre plus, un peu plus les bras. Tu sais, je le fais pas assez. Avec ton stick droit, ça va un peu gêner les passes et tout. Ouais. Ça t'aide un peu à défendre, mais ça change pas grand chose. Ouais, malheureusement, okay. Ce qui compte, c'est de rester bien devant ton adversaire. Dur. Là, c'est dur, il faut un peu anticiper et tout. Mais il faut arriver à le coller un maximum pour l'empêcher de passer. Oh, allez, Dédé! Dédé, c'est Dinwiddie? Non, c'est. DeAndre Jordan. Ah, c'est pas l'André. Air One. Ah là là. Sa animation qui passe. La tôle! Ah ouais, double du score, 50-25. On voit vraiment 29. Une différence de panache entre la façon de gagner de Brocky et ma façon de gagner, tu vois. Moi, j'aurais déjà gardé la balle pendant 24 secondes. Toi, t'es une fraude, toi. J'ai jamais vu ça. T'es pas là pour les socios, Kevin, hein, toi. C'est Didier Deschamps. Ah, j'avoue, le beau jeu, lui, c'est le mec qui fait tourner sur les jeux de foot, tu vois. Il ouvre le score, il a gagné, tu sais, il fait tourner tout le match. Oh. J'aurais pas fait ça s'il n'y avait pas quelqu'un qui disait oui, alors Kevin, si tu m'entends, je t'attends. On dirait qu'il a volé tes papiers d'identité, ta carte bleue. Non, mais c'est des tactiques de, comme j'aime les appeler, des tactiques de soirs. Ah d'accord. Mais, ça restera pas sans réponse. On va vraiment vous faire jouer ensemble tous les deux tout à l'heure, hein, je pense. Non, on va juste aller se frapper, c'est tout. Wabedia, c'est deux rue Paul Valéry Couturier, hein, les gars, le parking sera ouvert. Hein. Et amener les bons téléphones pour bien filmer. Hein. Non, on va garder pour les réseaux. Hein. Mais t'inquiète, on va faire un stream, hein, là-dessus sur le. Ah nickel, on descend en bas avec la régie. On garde la. Rush Hour 4. Oh non. Il est bon. Oula. Aïe aïe aïe, c'est bientôt la fin. Ouais, et c'est surtout bientôt le quiz. Ouais, mais quand tu te fais gifler, par contre, c'est tellement long. Non, mais c'est tellement long quand tu prends un score, c'est terrible, le temps il passe pas. Quand tu mènes, t'es trop bien et tout, tu déroules, tu te fais plaisir. Ah là, carrément, j'ai honte. Mais tais-toi, toi, je t'ai défoncé dès le premier match, toi. Gagne un match et on parlera. Il est beau, lui. Attends, mais maintenant qu'il connaît les touches, ça se trouve, il va te battre. Il y a du boulot encore. Ouais, je pense que ça peut être serré, là. Mais tais-toi. Ah, c'est bon, vrai. Bah, oh. 26 points. T'as le petit 26 points qui est parti, t'sais. Tout doux. Here's Allen.
Allez, 4 secondes, restez bien avec nous, parce qu'on ne va pas se quitter comme ça. Il y aura un quiz avec des images floutées. Il faudra deviner quel joueur se trouve derrière l'image. Et puis derrière, on finira avec un dernier match, 2 contre 2, où là, ça sera vraiment pour se marrer. Et vraiment, on se tâte à faire jouer Kevin le rire jaune et Brock ensemble. Thomas, c'est toi qui trancheras. Bravo Brocky pour cette victoire de ce mini-tournoi. Bravo, bon voilà, après on sait que c'est quand même ton jeu de référence et tu sais tout le temps y faire honneur. Toujours. Temps est dur de la sortie. Bravo Bruce, par contre pour ce match, tu perds bon logiquement, mais tu nous as montré de bien belles choses. Messieurs, allez vas-y. Messieurs, je vais vous donner les règles quand même. Ah. Vont s'afficher des images, pixelisées, floutées voire pixelisées. Et petit à petit, elles vont s'éclaircir. Et le premier qui trouve le joueur de basket derrière cette image. C'est des joueurs actuels gagne. Ou ça peut être des anciens? Il y a de tout. Okay. Important, les amis, on évite de dire 50 noms à la seconde. Voilà, c'est ça. On réfléchit. Évidemment, on peut jouer. On peut dire 2, 3 noms si on a des idées. Si on dit plus de 3 noms. Bah vous mettez un stop et puis c'est tout. Exactement. Si on dit plus de 3 noms, on n'a plus le droit de dire 2 noms après. Très bien, c'est parfait. Allez, vas-y. C'est bon pour tout le monde ? Allez. Let's go. Toujours un petit jungle. Évidemment. Jingle de qualité. Ouais, ouais. C'est parti, messieurs. Kevin, je t'attends sur le dernier. On va commencer par le premier, du coup, quand c'est même. C'est quoi cet indice déguisé, là ? On va commencer sur le premier. Ah non, il n'y a pas d'indice du tout. Le premier joueur à découvrir. C'est parti. Steve Nash. Moi je l'ai pas pour l'instant. Hein. Ah, que moi, pas non quelqu'un plus, hein. Peut l'avoir là. C'est possible de l'avoir. Là, c'est Mario Bros pour moi là. Non, je l'ai pas moi. Jordan. C'est Michael Jordan, tout à fait. Ah oui, là on commence à le voir. On peut le bout. Moi j'ai sauvé l'honneur. Ah oui. Trop fort. Michael Jordan. Bon, c'était assez facile pour commencer. Ça se corse un petit peu sur le deuxième. Je vous cache pas. Qui a gagné du coup? C'est Bruce. D'accord. Trop chaud. Vous pouvez y aller là, hein, vraiment là. Waouh, Kobe. Non, il est en bleu. Ah, je l'ai. Ah ouais. Bah oui. Durant. Non. Shaquille. Je l'ai. Attends, gardez comme ça. Green. Non. Ah, j'ai envie de jouer. Attends. Non. Jermaine O'Neal, non. Oui. Ah, let's go, je suis trop chaud. Bravo. Jermaine O'Neal, bravo. Je suis trop chaud. Attends, bravo, superbe. Jermaine O'Neal, t'as. Je croyais que c'était les Warriors, moi, carrément. Ce qu'on dit Kevin Durant, pas mal. Parce que les couleurs et puis le même physique les, un peu similaire. Les curses, ouais. Shaquille O'Neal aussi, c'était pas mal dans le. Voilà. C'est ma plus belle réponse. C'est bon nom déjà. Hein, c'est ma plus belle réponse à tous les quiz que j'ai fait de ma vie. Bravo. Allez, numéro 3. C'est un super jeu ça. J'aimerais bien le retrouver dans le first des choses. Je dis ça, je dis rien. Lillard ? Non. McCollum. Non. Il est en noir. Pippen ? Non. Je crois que je l'ai. Est-ce qu'il n'aurait pas joué avec Nicolas Batum celui-là ? Non. Ah non, je l'ai. Ah ouais, tu l'as là. Ouais. Il y a un énorme indice en bas à gauche. De Rose. Ouais, bravo. Il arrive tard. Il arrive très tard. C'est lourd sur les cartes comme ça là. Ouais, c'est trop lourd. C'est bien, ouais, c'est mortel. Ouais. 97, c'est pas simple. Hein. MVP. Quatrième. Qui a gagné là? On sait même pas. C'est Brocky. Ok. Larry Bird. Oui, Larry Bird. Il est parti vite. Bravo, Kevin. Magnifique. Il fallait que je rattrape un peu Brocky. Eh, franchement, tu l'as enlevé à une seconde. Il prenait le large. Derrick Rose plus fort que Larry Bird. Bon, ok, bon. 97, 96. Eh, vas-y, enchaîne. Ah. Stephen Curry. Oui. Ah, vas-y. Facile celui-là. Photo-copie. Qui, Kevin? C'était moi. Ouais, c'est Kevin. Ouais. Yeah, Steph Curry. Faisons un petit coup en score parce que ça doit être serré là. Qui a combien? Moi j'ai deux. Deux pour Kevin. Deux pour Kevin. J'ai un. Un pour Bruce. Non, Brock, t'as zéro. Broken, il a un deux. Un pour Bruce et deux pour Brocky. Okay. Ok, on est au cinquième. Sixième alors. Sixième. Karl Malone. Karl Malone, bien tout joué. À fait. Mais c'est bien joué, c'est le truc au poignet que t'as fait penser? Clairement. Ah ouais, bien joué. Jeune Karl Malone en plus. Hein. Ah ouais. Non, mais en belle fait, athlète. Je l'imaginais pas du tout dans cette position. Mais attends. D'accord. Mais, non, parce que moi, je l'imaginais dans cette position, mais ah ouais, non, il avait des deux côtés, les trucs blancs. Ouais. Pour moi, il avait qu'à droite. Donc, point pour Kevin le rire jaune. Ça fait 3. On enchaîne. C'est réveillé, on l'arrête plus. Ouais, Kobe. Oui. Non. Non. Stoudemire. Ouais.
Waouh. Amaré Stoudemeyer. Waouh. Super joueur. Je la vois, je la vois. Ouais, je le vois. Attends, qui a trouvé ? C'est moi. Mais t'as fait comment t'as fait ? Je le vois là, je le vois. Cette photo, je le vois, je le vois. Ah, ok. Dès que c'était pixelé, je voyais Stoudemeyer. Mais dans ce jeu, il y a une forme de... Il y a du feeling. À mort. Allez, on enchaîne avec le 8e. Lillard ? Non. Ah ouais ? Ah, tu forces avec Lillard. En fait, je vois du blanc, du rouge, je me dis, c'est 2K21, vas-y, sors-le. Barclay ? Non. Est-ce que ce serait pas un meneur de jeu qui a un crossover intéressant ? Pas du tout. Tim Hardaway ? Ah non, si, je sais qui c'est. Ray Allen ? Non. Un chauve, fort. Ah ouais ? Dream Team. Ah, Charles Barclay ! Ah non, il l'a dit. Ah, c'est relou pour lui, si même sur cette auto, vous le trouvez pas. Draxler, il est pas connu pour avoir... Ah oui, c'est Draxler, ouais. C'est Draxler quand il est aux Rockets. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, carrément ça, ouais, bien joué. T'as à qui pour personne. Non, personne. Personne. T'as Thomas. La personne ne mérite. Personne. N'hésitez mais à dire toi, t'as pas les réponses. Non. Ah, donc sur le dernier, je veux te tester pour voir aussi. Mais après, je pense que j'avais tous les mecs, chacun des mecs ici, et ça me rassure. C'est toujours facile à dire, ça. Hein. On la connaît. Je propose qu'on on la connaît, celle-là. Allez, on enchaîne avec le 9e. Si tu veux, je peux jouer sur celui-là, on va rigoler. Non. Si, ça me tente. Lillard. Oui, Lillard. Damien Lillard. Ah, fallait qu'il tombe un moment. Fallait qu'il tombe. Alors, je vais vous dire que le dernier vaut 10 points. Ah. Donc c'est what the fuck. C'est qu'il a le dernier vaut 10 points et Thomas joue. Ok. Allez, alors, je vous le dis. Moi, j'ai en préparant cette émission, je l'ai fait avec David qui a préparé. C'est qui c'est, moi, préparé, je sais qui c'est et je l'ai trouvé rapidement. Ok. D'accord. À vous. Arrête, t'es chaud. Ah, bah, je t'ai dit que je l'ai trouvé rapidement. Kobe. Non. Iverson. Non. Là, ça tente des trucs. Shaquille. Non. Gobert. Non. Non. Wiggins. Ouais. Non. À toi, Tom, tu peux jouer. Mais non, mais je le connais déjà. Ah, putain. C'est le seul que je connais, donc le dernier. Ah. Merde, comment il s'appelle déjà Comment il s'appelle? Ah, bravo, les experts. Kevin, on t'attend dessus. Hein. Je sais plus comment il s'appelle. Attends. Nate Thurmond. Bravo. Bravo, Kevin. 10 points. Oh, t'es chaud. Allez. Franchement, bravo, mérité. Kevin. Alors, t'as attendu de le voir en entier, mais bravo, parce que Nate Thurmond, c'est quand même pas le plus connu, il faut aller le chercher, bravo. Donc, tu remportes ce quiz, et c'est bien mérité. On a quand même une petite pensée pour notre Braque, quand même, pour ce quiz. Hein, merci d'avoir été là, mon ami, quand même. Très honnêtement, j'étais à deux doigts de dire Karl Malone. Il m'a coupé l'herbe sous le pied, mais vraiment, je vous jure que j'allais dire Karl Malone. Mais on te croit, évidemment. Et Thomas, tu l'avais ? Mais en fait, Erwan, hier, il m'a dit qu'il y avait celui-là, donc j'avais pas joué. Ah, il m'a dit hier. Hier, au bureau, il me l'a dit, donc ça avait aucun sens que je joue. Cher ami. Et Braque, il a marqué 0 points dans les deux quiz. Il a gagné 0 match. Il reste que le 2v2. J'ai failli avoir Phil Jackson et Karl Malone. Ça, elle est vraiment pas worse. Non. Ça dépend sur quel plan on se place. Mais bon. Allez, les gars, on va se mettre en place pour le 2v2. Pour le dernier match de la soirée. Ouais, allez, mais attends, je crois que quand même, comme toute la soirée, avant de lancer quelque chose, il y a un jingle. Alors, je vous rassure, je crois que c'est pas le dernier jingle de la soirée, il en restera un. Pourquoi donc, je sais pas, pour moi, je lis mon truc, je crois qu'il y aura un dernier. Non, il n'y en aura pas. Bah, c'est générique de fin. Tiens, remballe-le pour le faire kiffer. Finalement, du coup, mets-moi un jingle. Ouais, régie en PLS. Bref, choisissez vos équipes. Les équipes sont, on les voit évidemment. Broken on et Braque. Évidemment mélangé et que ce soit à peu près équilibré. Hein, Broken et Braque, et donc ça sera. Sur Broky et Braque, donc les BB. Et Kevin. Yes. KB, ça fait KB, tu vois, comme Kobe Bryant, c'est magnifique. Les choses sont bien faites. Quelqu'un a invité du coup ? Ouais, moi j'ai invité. Qui est en train d'inviter ? Petit juste qu'il nous rejoigne. Je regarde si les petits concours sont toujours en ligne. Parce que ça fait kiffer quand même. Hein. Celui qui remporte le maillot de Kobe, n'hésite pas à m'envoyer un petit message hein, quand même. Pendant que le match est en préparation, alors fais voir un peu à quoi ça ressemble le stream sur Twitter. Effectivement, le petit maillot de Kobe, ça j'en rêve. Si tu veux m'offrir un gâteau d'anniversaire l'année prochaine. Attends, on vient à peine de finir de fêter tes 30 ans, j'en ai eu pour quasiment 500 balles de cadeaux, donc tu vas te calmer. Surtout que c'est le mien qui arrive dans moins d'une semaine. Donc, t'es un bon pote, toi. 500 balles, 500 balles, moi je veux mon maillot de Kobe, moi. Ah oui, on est bons potes, ah oui, tu sais, la famille. Tu sais ce que c'est, que notre histoire entre Tom et moi, c'est un peu la même que la tienne avec Bruce et Braque. Bon, après, on ne veut pas savoir, hein, ça reste entre vous les gars, tranquille. Ah, nous, on s'est séparés quelques temps, mais écoute, pour mieux revenir ensemble. C'est ça.
T'avais raison. Il reçoit pas. C'est bon, moi je t'ai rejoint, Broky, hein, normalement. C'est il bon. Manque. Qui est en train de faire la sieste là? Rejoins Kevin parce que Kevin ne reçoit pas les, reçoit pas les invités. Kevin ne reçoit pas les invités. Ah, c'est peut-être sa connexion chez lui, je sais pas, qu'il vérifie bien. Ah, ouais. Il est en edge aussi, le gars. Faut rejoindre Kevin, les gars, faut rejoindre Kevin. Kevin, reboot ton internet chez toi. Il manque plus que Braque parce qu'il manque toujours Braque. Bah ouais, mais t'as pas trouvé le moyen de m'envoyer un message sur le jeu aussi, c'est bon, le problème. On est ensemble. Ils sont ensemble, visiblement. Ils sont ensemble. Ça va être la guerre, là. Bon, pendant que vous êtes en train de réfléchir, je vais vous dire deux, trois trucs quand même. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour ceux qui sont à fond en tout cas, vous le savez. Si vous achetez une édition Mamba Forever, l'idée, c'est que si vous l'achetez sur la PS4, vous ayez le jeu sur la PS5 une fois que vous avez acheté la PS5 ou que vous gagnez un concours ou autre. Donc, votre Mamba Forever Edition vous donne accès à la version sur la PS5. Et c'est quand même... le but ultime, moi je suis très content de ce jeu-là, on prend plaisir à le redécouvrir, mais c'est vrai que le passage à la PS5 la version en PS5. Absolument tout. Parce qu'on a pour l'instant, ou, sauf si je me trompe, mais en tout cas moi j'ai rien vu sur la PS5, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Est-ce qu'il y aura une énorme différence? J'imagine. Est-ce que le jeu sera encore mieux? C'est très possible, mais ça fait partie des petites interrogations de Noël 2020. Clairement. De Noël 2020, donc ça va être très très cool. J'ai hâte, chers amis. Est-ce qu'on est bon pour les matchs là, les gars? C'est en cours. Très bien. C'est en cours. Très bien. Si c'est en cours, c'est parfait. 22h45. On vient de gagner. On vient de gagner. C'est superbe. Alors, un petit pronom, Erwan. Moi, c'est comme tu sais, tout à l'heure, Nico a dit un truc que Paris contre LeBron en ce moment, c'était pas une bonne idée. Mais je pense que ce soir, Paris contre Broky, c'est pas une bonne idée. Sauf si tu as envie de perdre de l'argent ou gagner beaucoup. Voilà. Mais j'ai perdu de l'argent donc. On va... Ah, ça va être difficile. Après, jouer à deux dans le jeu, c'est tellement différent que. Ouais. On va ça change tout, hein, donc on va voir. On va à l'ouest. Ok, ça marche. C'est bon, on y est. Mais Brak, il est à l'ouest depuis le début de l'émission, je te rassure. Qui est à l'est, qui est à l'ouest là? Ils sont allés à l'est. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai shotgun. Il a pris. Prends le Bron, Bruce. Prends le Bron. Ouais, à Harden, le Bron. Mais non, mais. Prends au-dessus, celui que tu veux au-dessus. Ouais, mais on était à l'ouest là, ça abusé. T'inquiète. Je prends Giannis, moi. Ah putain. Ah, tu le veux, vas-y, prends-le. Ah, ils vont jouer à deux ou ils choisissent. Chacun choisit un seul joueur, ça va être très cool. Avec les All-Stars. Broken, il n'y a qu'à 3 points qui est pas trop mauvais là. Celui que t'auras. C'est même pas qui l'a pris. Ah, c'est bon, t'as carré. Tu peux tirer dans n'importe quelle position. Ah, vas-y. Je peux tirer même de chez moi. Même de chez toi. Vas-y. Surtout de chez toi. Surtout de chez toi, ça vaut plus de points. Donc on est parti sur un petit All-Star Game. Ouais. Pourquoi pas, intéressant. Ça me va. Et donc chaque joueur manette va jouer avec un joueur. On va pouvoir découvrir qui a choisi qui. Sauf si vous le savez. Moi j'ai Antetokounmpo. Moi j'ai LeBron. LeBron, Giannis, superbe. Et gueule de meneur. Kai. Broky, t'as qui? Antetokounmpo. Ok. J'ai Kai moi les gars. Meilleur joueur de jeu. Lui il a Kai. En plus c'est un All-Star Game à l'ancienne avec les maillots des équipes. Ouais. Et donc on va suivre la caméra de... C'est la caméra de Brak, c'est une blague? Ah ouais? Bah je pense, hein. Oui. Pourquoi une blague? Non, mais c'est quoi ces manières là? Je sais pas, écoute, je sais pas. Il a dit c'est une blague. Oh, Harden, il va nous faire kiffer d'entrée. Bah oui. Alors du coup, t'as qui toi, Bruce? J'ai LeBron. LeBron, et toi, Kevin? J'ai Steph. D'accord, très bien. Duel de meneur de jeu. Ouh! Mais passer sur Brak, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Ouh! Thomas, on va régler ça. Ouais, je sais. Mais par contre, t'es venu pour prendre cher, alors que moi, je pensais que c'était une soirée un peu friendly, tu vois. Mon pauvre. Ah bah, je suis blindé. Et ça court. Harden, il va nous régaler. Sachant que c'est l'ordinateur, Harden. Ouais, mais on le voit ouvert comme ça, on le sait, hein, c'est une invitation. Ah oui. Le coach Bruce. Ah non, mais Harden. Ça, c'est dur. Je confirme que c'était dur, mais tu m'as dit je peux shooter. T'inquiète, tu fais ta plaisir. Je suis là. Oh. Steph. Oh. Ah, c'est pas là. Oh là, ça joue bien. C'est moi qui devais le garder, je crois. Oh. Avant-hier, je me suis regardé un match, c'était Rockets Warriors de l'année dernière, ou il y a 2 ans. Et j'ai eu un grand moment de nostalgie à voir KD, Klay Thompson, Draymond Green et Curry être sur le terrain. Et me dire que ça faisait très longtemps qu'on les avait pas vus tous ensemble et que magnifique, pendant ça. Ces playoffs, ils me manquaient. Magnifique, ça braque, encore. C'est déjà le passé de. Bien, tu vois. Bien vu. Mais ça me manquait de pas voir ces mecs-là sur les terrains, ouais, ouais. Leurs équipes. Et ça m'a joué un petit coup de nostalgie pendant ces playoffs. J'ai pleuré pendant. Ah, pardon. Ah non, mais c'était chaud. Hey, Giannis.
Shoot that. C'est 2-2 ça. Bah oui. Bradley Beal qui est All-Star alors qu'il n'est pas All-Star dans la vraie vie. C'est vrai. C'est vrai que cette année il n'a pas été, ça fait parler d'ailleurs. N'hésite pas, fais-toi plaisir. Hein. T'es là, Braque. Bonne défense, Braque. C'est pour moi, Braque. Okay, ça, ouais, ça, mon frérot. Allez, où prater, dommage. Oh, il est passé. Oh, ballon. Oh, oui. Okay. Aïe. Damn. On va aller chercher cette victoire, Braque. On va aller chercher celle-là. On va repasser, t'inquiète. Attention, alors, Adam Ordinata, il est très très chaud. Allez, où Yanis pour Kyrie, faut le prévoir lui aussi. Hein. Mais moi, j'étais pas sûr. C'est clair. Pas convaincu jusqu'au résultat. Fais pas le connaisseur, Thomas. Colle, lui, c'est un danger public. Ouais, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. C'est pour nous, ça. Oh, ouais. C'est dur, ça. Hein. Incroyable panier. Ah, ouais. Ok, j'ai les bras sur le dos. Oh, oh. Woody. Ah. Visiteur, c'est qui? C'est les maillots foncés. J'espère que c'est lourd. Lourd de ouf. Kyrie, tu sais ce que t'as à faire, Kyrie. Je sais. Tu sais ce que t'as à faire, Kyrie. Faut pas lâcher la balle. Vas-y, va demander à 3 points. Oui, oui. Shoot that. Shoot. Oh, c'est dur. Oh, let's go. Let's go, Braque. Braque, il vit sa meilleure vie, là. Braque, il vit sa meilleure vie. Ça fait 1h45 qu'il est struggle, et là. Mais franchement, je réponds, non. C'est temps, c'est temps, c'est temps. C'est un très bon match, les gars, pour l'instant. Ouais, c'est un super match. Shoot du butin. Non. Si, il reste une seconde. Dis non en plus, hein, mec. T'es fou, toi. Ouais. Moi, je pense que vous avez vu Kyrie Irving qui célèbre le fait que Braque n'ait pas pris le tir du milieu de terrain. Il n'a pas de petite victoire, apparemment. Il dit c'est un escroc, lui. C'est ce genre de truc qui l'intéresse. Eh oui. Aucun honneur. Let's go. Ok. Arden, on le sait, on a confiance. Non, Arden, tu peux pas. Coucou. Kyrie. Elle marche, la relation, là. On a donc changé de caméra. Maintenant, on suit Kevin, hein, le jaune, ouais. Avec Steph Curry. Ah, vous allez vous faire chier. Après, c'est le même match, hein, heureusement. Ok. La petite passe. Oh, il est tout seul. Bien joué. C'est incroyable. La contre-attaque, ça part. Oh purée, je vais l'écraser, lui. Thomas. Oh là, l'attentat. Oh, c'est Arden qui fait faute comme ça. Allez, grossière. On tremble pas, hein. On tremble pas. On voit rien. Ah oui. Je suis meilleur quand ça bouge. Ah, mais il voulait pas quoi. Ah, okay, c'est parti. Allez, plus 3, on est bien. Tu le colles, t'es bien, grosse défense. Good defense. Eh, le père Jokic. Son tir là, il est très représentatif de ce qu'il est vraiment. Ils l'ont bien arrangé. Par rapport aux éditions. Oh oh oh. Encore. Oh non, mais là, c'est abusé. Oh oh. Bien joué. Olé. Oh, les. Oh, zut, c'est de ma faute, j'ai fait la passe trop vite. T'inquiète. Continue, Braku, on te kiffe. Bruce, je propose qu'on donne la balle à l'ordi et qu'on le laisse faire, en fait. Ouais, mais c'est pour ça que l'Arden, quand je le vois, je le sers direct. Bah là. Let's go. Allez, let's go. On le colle. Ah, il a fait écran. Bien, ouais. Ah, ouais, il a fait écran, putain. Antetokounmpo. Ah, dommage. La raquette, elle. Il a pas trop scoré, Yanis, non? Non. Il est dans la passe, là. Bien joué. Quel crack, Arden. Oh là là, James. Allez. 9 points, 20 points marqués, James. C'est faisable. Ah, tranquille, Brocky, tranquille. T'inquiète. Bonne faute. Fallait la faire. C'est une bonne faute. Shoot that. Ça rentre pas. Allez, encore. Embiid, il est relou. Embiid, encore. Okay. Quoi? Ah, c'est un gros bide, là. Mais Arden vient de prendre un rebond sur lui. Jamais. Encore. Oh non. Jamais. Jimmy. Butler. Let's go. Jimmy. Tout seul. Let's go, Jimmy. Encore. Non. Ça rentre pas, ça. Oh, c'est quoi, ça? Pou. Braque. Oh. La réponse.
Voilà, ah, c'est pas possible. C'est un ah super oui, match, si les mecs, hein, vous nous régalez. Hein. En fait, Kevin, quand je fais un truc, il me copie. Voilà. C'est pour toi, Brack, c'est pour toi. Tu dois lui répondre. Allez. Ça bégaye là. Allez, Giannis. Allez, Giannis. Ça panique là. Bon, c'est le problème, c'est là, que... on a bien défendu là. Chut, ah, c'est ma faute. Ah, désolé. Non, non, désolé. T'inquiète, pas t'inquiète. De... Ah, putain. On est temps. Y'a pas de fleurs. Non, c'était à toi que je voulais la mettre en plus, putain. Vas-y. Tire. Non, c'est dedans. Non. C'était à toi que je voulais la mettre, t'as la mis à l'eau. Écoutez les mecs, super, regarde, là, enfin, on a des pourcentages d'adultes, hein, 57%, 77%, c'est énorme. Et puis on a un vrai score, on a un vrai match. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas, j'ai enchaîné la deuxième mi-temps. Ah, dommage, putain. Mais pour l'instant, on se régale sur ce match-là. Le meilleur match de la soirée. Tir, hein. On avait un tir gratos, là. Grave. Que ça dure jusqu'à la fin du match. Hein. On compte sur vous, les gars. Allez. Non, non. Embiid, le contre. Embiid, super. Je t'ai mis meneur, Broken. Non, je me suis mis Giannis. Non, mais d'accord. je fais au poste de meneur. Je fais tout. Meneur, pivot. Bah, en fait, moi, je monte la balle. Tu peux monter la balle avec Giannis. Il a une trop grosse note en contrôle de ballon. Super, non Butler. Oh. Mais Butler, c'est magnifique. Braque. Non, il fait pas sa part. Braque, quand tu cours en contre-attaque, essaie de courir dans les couloirs plutôt que dans l'axe. D'accord. Oh, magnifique. Oh. Ah, je l'ai laissé. Non. Ah, je viens de comprendre. Très bien, Braque. Je viens de comprendre. Et après, tu coupes là, comme ça, tu vas dans l'autre aile, c'est très bien. J'ai compris. Tu vois, ça espace beaucoup mieux le terrain. Si, si, carrément. Mais ils l'ont ralenti. T'es un bon, toi, Erwan. Ils l'ont ralenti, Giannis. Ah, c'est pas possible. Ça, c'est chaud, hein. Là, c'est Braque, son moment. Là. Non, il y a du Butler d'abord. Oh oui. L'allonge. Attends, mais là défensivement, je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure, je le laisse trop là. T'es tu. Good defense, good. Ah, colle-le. Ah, ça ouais, c'est pidoche. Ah ouais, putain. Il faut lui faire la bise. Ouais. Beau duel de meneur. Hein. On se prend pour Kyrie. C'est Braque, il est passé et. Oh ça c'était magnifique. Quel sauvageon quoi. Suis-le. Il a acheté. C'est off. Ah, c'est dedans. Oh, vas-y, on va te laisser là, t'as vu les shows. Takari. Bien joué. Oh là là, oh là là, Braque. Ça régale, hein. Ça régale. Vrai duel, hein. Par le break. On est pas là. C'est chaud. Non, c'est bien joué, ça. Bien joué, la passe. C'est bien, il n'y a pas beaucoup de stops du coup. On prend du non, plaisir. Ça score dans tous les sens. Ouais, on est là pour ça. Ah ouais. Oh oui. Par contre, je sais pas qui fait des oublis comme ça, défensivement. Ça peut être moi des fois. C'est LeBron, sur le C'est qui a LeBron? Bah oui, c'est Butler. On va pas dire. Oh, tire. Let's go. C'est ça qu'on veut. Ah. C'est ça. Il a mis au 47 dehors, dommage. T'es bien. Mais attends, y'a pas 10 000 secondes là. Non, il était à 7. Non, mais lui il est relou. Dommage. Arden, il est relou. Prends Kyrie. Kyrie. Ouais, je l'avais. Let's go, c'était magnifique. Good defense. Let's go. Oh, je suis parti. Let's go, je t'ai vu. Putain, j'ai déconné. Oh, t'es fou. T'es un monstre. Non, t'es fou. Putain, mais je pensais que j'y étais déjà. Ah, c'est les réflexes, je les ai pas encore. Oui. Ok. Ça, c'est bonus. Hein. What a monster. 5 secondes, les gars. Oh là 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 là. Je joue pas. Oh. Ah, c'était moi. Oh, oh. C'était à moi de le marquer, je suis désolé. Oh, c'est la claquette, là. Ah, non, tu vas réparer la claquette. C'est Jokic. Allez, 36-33, il reste 3 minutes pour le dernier carton de la soirée. Tout reste à faire. Là, c'est relou. Hein. Bravo les mecs, on se régale. Hein. Bruce, c'est faisable, c'est faisable. Ouais, c'est faisable. C'est faisable. Faut que j'ai. Et pour le dernier carton, on va se faire la vidéo de Broken. Faut que tu restes sur ton joueur. Ouais, la vue, la vue de Broken. Comme ça, on a une vraie vue d'ensemble. Et tu démarques, Brett. Tu démarques. Il s'est démarqué. Je lui mets un écran. Oh, tu l'avais, je crois. Tu l'as. Oh, c'est dur. Oh, il a contré. Oh, non. Pas beau, Embiid, hein. Ouais, il fait pas le match de sa vie, hein. Non, c'est clair.
Tiens Butler, je te la rends. Oh non. La deuxième bide. Montre-leur qu'ils ont tort. Quoi? Wow, allez. Il a provoqué la faute, Donnez. Balle raté. Oui. Super Jojo. Allez Jojo. Important. On est dedans. When your bigs can make free throws, it's a huge advantage. Love his approach to getting to the line. Give me that! Allez. Mais comment? Mais je comprends pas. Ouais. Oh! Oh là là! Oh waouh! Oh la violence du truc! Ouais, c'est clair! Oh, tu no. pouvais prendre derrière là. Ah, bonne passe! Avec! Parfait! Elle est la faute là, franchement. Jokic est en train de manger Embiid là. C'est clair. S'il te plaît, mets-la, merci. Allez, défense au coup. 2 minutes 20 jouées, 2 points d'écart. C'est Braille qui va nous faire gagner ce match. Faut qu'on fasse un stop. C'est Braille et Brooklyn qui mènent. Braque, il va de choc. Non. Ici, regarde. Oh mon dieu! Non! Dommage. C'était beau. Mis ça. C'était beau. Là. Ouais, c'était beau. Allez, Harden, James! Oui. Voilà! Ah, oui, ça repasse fait. Devant. Voilà! Ça repasse devant. Défense. Ah, garde ton joueur. Il est passé. Oh, bonne défense. Non! Oh, il a raté le layup. Il est trop fort, Anthony Davis. Oh là là là! Oh non. Incroyable. Défense, 45 à jouer, toujours un point d'écart. Jimmy. Oh, il est chaud, Jimmy. En rentrée. That's a foul. That's a foul, l'entrée l'envoie. That's a foul, il a dit that's a foul. C'est une chute. Chute à l'avant. Oh, la passe. Voilà. Défense, une trente. Avec Kyrie, on a besoin d'un 3 points. Parce que l'upset est en train de se décider. Pas d'erreur, on reste sur nos joueurs. Il est passé, Thomas. Farab, laisse-le faire son truc. Oh non, aïe. Yannis c'est un peu plus complètement dans le match. Hein. LeBron, monte, oui. Voilà. Plus 5, 14 pour marquer les gars. Une minute 14, on craque pas. Plus rien, je suis dessus maintenant. C'est. Une minute 14, on craque pas. Pas d'erreur. Faut marquer vite. Hein. Oh là. Oh, magnifique. Non. Braque, t'as mis trop tard. Avec une soirée à 0. Mais pourquoi j'ai appuyé sur toi? Ils sont en panique. Braque. Oh, mais c'est Thomas, trop! Bill, tire! C'est trop! Oh, il ne met pas dedans! C'est trop! Non, mais ils ont Arden. Ils ont un meilleur ordi que nous! Bah oui, c'est sûr! Brouillon cette fin de match, hein, mais on se régale! Bah, je suis sur LeBron, je peux pas le suivre! Hein. il fait sa tactique! Bah oui, mais lui, c'est le pire! Oh là, il a tué le match. C'est bien joué. Allez les gars. Gestion du temps. Cette fin de match, elle est incroyable. On vous a mangé. Tire. C'est dedans. Remplace-toi. Ah. Ok, 5 points. On joue le chrono, tranquille. Pas d'erreur, 5 points. Le chrono, tranquille. Il faut 8 secondes pour passer devant, la ligne. Devant, Davis. Ah, il y a faute. Oh, on les a fait craquer. C'est pas fini. T'as ouf? Mais si, c'est fini. Ils sont perdus. Ok. Allez Harden, mettez dans ses francs, s'il te plaît. Tranquillement. Allez hop. On est au courant que l'homme du match c'est un bot ou pas? On joue en équipe, oh, tranquille. Pourquoi je vais faire temps mort, wesh? Ah là là, Braque, 3 matchs, 0 victoire, aucune réponse bonne au quiz. Vraiment, le grand chelem, 0-0. 0-0. C'est 0-0. C'est un talent. Et je pense qu'il va rentrer en métro. Le métro va tomber en panne, gros. En plus, mon vélo est en réparation. Allez. Ah, c'est terrible. Allez, 10 secondes. En tout cas, on s'est régalé sur ce dernier match. Non, mais franchement, dès que je me suis occupé un peu plus de Butler, dès que j'étais mis au marquage, ça a fait la diff. C'est trop libre. Garde la balle. Bravo, monsieur. Il a dit garde la balle. Un super match. Bravo, super les mecs, bravo. Bien joué, les gars. Victoire on les a fumés. De Kevin, le rire jaune, et de Bruce, 40 à 49.
Bravo, bravo Brocky et Braque, c'était bravo, un super match, on s'est régalé. C'était un très très bon match, c'était surtout une très belle soirée. Ouais. Je suis très content qu'on ait pu découvrir. Merci à James Harden, merci à James Harden. Merci à James Harden et à Yanis qui ont craqué en fin de match comme dans la vraie vie, donc le jeu est vraiment très très bien fait. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on peut dire ça. Les gars, c'est l'heure pour nous de vous remercier. On va d'abord remercier tous les gens en régie, Mathieu Parot qui a organisé toute cette soirée. Les gars, merci à vous, à tous les quatre. C'était pas simple d'organiser cette soirée avec le Covid, chacun distance comme ça, c'est forcément mieux quand on peut vivre ça ensemble. C'était pas possible cette année. Donc, merci quand même d'avoir répondu présent et vous avez vraiment assuré. Merci à vous, les gars. C'était super cool. C'était un grand plaisir. On remercie évidemment Touquet. Hein, sans Touquet France, nous exactement. Pas là et on prendra toujours le plaisir. Toujours là pour nous, Touquet sur France. Sur la PS4, on remercie aussi PlayStation. Tu l'as dit, la technique évidemment, sans qui on ne sert à rien. Et là, en plus, le travail était encore plus important puisque tu l'as dit, il faut pouvoir gérer tous les mecs qui sont partout sur la Terre. Donc voilà, et, bientôt sur le stream replay sur YouTube, eh bien, il y aura un best-of qui sera disponible. Donc si vous avez raté le début de ce live, eh bien, on vous invite à aller regarder le petit best-of qui sortira dans quelques jours. Voilà. Parfait, ouais. Donc le stream reprend demain. Droit. Et puis nous, pour ceux qui veulent encore parler de NBA, on se retrouve demain après-midi sur le First Desso, sur la chaîne YouTube. On parlera de James Harden. On parlera de James Harden, en IRL cette fois-ci. Ouais. Merci messieurs, on embrasse Nico Batum et Giorgio aussi pour leur beau passage dans l'émission. Mathieu, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Et voilà, bio générique de fin. Merci Kiki de m'apprendre mon métier. Allez, sur ce générique de fin donc. Salut à tous et merci. Bravo les gars.